Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Draft Gap. Et dans cet épisode, nous allons voir ce qui s'est passé dans le premier classico de ce Summer Split entre G2 Esports et Fnatic, qui est un peu la troisième game de la première semaine de cette phase de saison régulière, on va dire, en BO1, où on a vu un Fnatic encore une fois réajusté, on va dire, après une off-season et des résultats du Spring qui était encore insuffisant par rapport au standard de Fnatic, qui va affronter un G2 qui sort du MSI avec une belle gueule de bois quand même, puisqu'ils se sont fait tour à tour éclater la gueule par Genji, si je me trompe pas, oui, ça Genji, et ensuite par Bilibili Gaming, c'est-à-dire le seed 1 coréen et le seed 2 chinois. Donc, bah, ça fait un peu chier du coup, quand t'es une équipe qui est basiquement là pour remporter les Worlds, emmener l'Europe loin à l'international, et que tu te fais casser la gueule par le seed 2 chinois et par le seed 1 coréen sans en ayant pris une seule game. Bon, c'est un peu chiant. Du coup, le but pour G2, c'est de retrouver une consistance intéressante, même dans leur propre ligue, puisque, je rappelle, ils ont terminé 3 ou 4e du LEC en Spring, mais ils sont quand même pu aller au MSI parce qu'ils avaient gagné le Winter. Donc une superbe preuve que le système européen actuel n'a absolument aucune faille, puisque le 4e de LEC peut tout à fait aller au MSI, tout va bien, il n'y a aucun problème. Donc voilà, c'était parfait. Et du coup, leur but c'est quand même déjà d'essayer de remporter potentiellement le Summer Split, et derrière les grandes finales, et d'aller au Worlds pour avoir un peu leur revanche sur l'Orient en termes de League of Legends, et en général de League of Legends. Pour ce qui est de Fnatic, bah, c'est un peu la merde, parce que du coup le Winter était désastreux, le Spring était bien mais toujours pas top, du coup ça, c'est un peu compliqué pour l'équipe, parce qu'ils sont dans l'obligation totale de faire des résultats pour ce split là, s'ils veulent ne serait-ce que arriver dans les 6 équipes je crois qui vont arriver dans les LEC Finals à la fin de l'année, et du coup avoir une chance d'aller au Worlds. Donc il n'y a pas beaucoup de trucs à faire, évidemment, il y a les résultats et les calculs fans contre les adeptes de première place Enjoyer qui se bastonnent en mode « Oui, mais attendez, en fait, si Skoy place mieux que Heretics, mais derrière Vitality, ça veut dire que nous, si on termine plus loin, meilleur Vitality, on pourra quand même, sans avoir besoin de gagner... Hey, on gagne le split. On gagne le split, en fait, ici. Il n'y a pas de... Fnatic gagne le split. C'est tout. Il n'y a pas de calcul à faire. C'est, on gagne le split ou pas. On va essayer de... Non. C'est le but du côté de Fnatic, ça doit être de gagner le split. Et la nouvelle botlane, qui a déjà montré des très bons résultats, ne serait-ce que pendant les 3 premières games de cette première semaine, va essayer de porter cette nouvelle version de Fnatic dans les meilleurs sommets. Voilà. Donc, maintenant, classico, Fnatic G2, G2 Blue Side, Fnatic Red Side. Et on commence par des bans, donc le ban de Vi, le fameux ban de Vi, parce que c'est vrai qu'elle est beaucoup jouée dans la méta actuellement, MDR pas du tout. Le ban de Yumi du côté de G2, bon pour le coup là j'ai rien à dire, même si encore une fois Yumi a techniquement des counters, mais ils seront jamais joués par personne. Et derrière le ban de Blitzcrank, certainement parce qu'ils avaient déjà prévu des trucs, notamment le fait que Blitzcrank est un très bon champion pour counter les botlanes avec des enchanteurs. Et que du coup, ça permet un petit peu de libérer le petit counter pick qui aurait pu potentiellement détruire une draft in-game, potentiellement, avec le fait que tu puisses juste grab n'importe qui dans l'équipe adverse et la personne se fait one-shot. Et bah, si c'est un bon timing où il y a un objectif et tout ça, commence à devenir très très chiant de négocier un objectif. Pour ce qui est des bans de Fnatic, on a eu le ban de Draven qui est, bon, j'ai pas forcément besoin d'en parler puisque, bon, Ansama est un peu... Alors, il est un peu fort sur Draven, je sais pas si vous avez vu certaines games. Voilà, normalement vous avez à peu près compris. Le ban de Leblanc qui est un peu qui fait un peu peur, on va pas se cacher. Alors, pas forcément peur parce que c'est l'humanoïde et il banne Leblanc, mais c'est tellement surtout parce que même si Leblanc statique a l'air d'être une belle abomination, le fait que Fnatic le ban en red side, ça veut dire qu'ils ont pas pensé à un counter pour le personnage, ce qui est un peu chiant. Et j'espère que Humanoïde va faire ses devoirs pendant la suite de la compétition parce qu'on va vraiment avoir besoin de ses talents à la fois de playmaking et aussi de diversité de pick afin de pouvoir se mettre dans des drafts sans poser de gros problèmes de fiabilité à ses coéquipiers. Bon voilà, ça c'est, on est d'accord que c'est le début de la saison, Fnatic va se faire nerf, tout ça, il n'y a aucun problème. C'est juste que si à chaque fois que tu es en red side chez Fnatic, pendant toute la phase de saison régulière, tu vas devoir ban un personnage, tu vas avoir un ban qui est lock, ça va être un peu chiant. Parce que je rappelle, toute la phase de saison régulière va se jouer au patch 13.11. Donc, ensuite on a le Kalista.
Bon, à peu près la même chose que pour Draven avec Hans, même si je pense que le ban Kalista est absolument pas nécessaire parce que Kalista n'est pas du tout dans un état suffisant pour être pick, certainement pas en compétitif, certainement pas en blind pick. Ok. Bon, first pick Milio du coup. Ok, très bien. Alors après, en même temps, vous allez me dire, c'est un support qui a l'air d'être plutôt fort dans le milieu. Et en plus, l'avantage que ça a, c'est que c'est un personnage qui peut rentrer dans pas mal de compositions. Enfin, pas mal de compositions, qui peut rentrer avec pas mal d'ADC différents. Évidemment, on pense à Aphelios, on pense aussi au fameux Lucian Milio, qui est effectivement un duo qui est assez disgusting, on va dire, assez dégoûtant. Mais il y a énormément de champions. À partir du moment où, de toute façon, où t'es un ADC qui est plutôt fort de ton côté et que le but d'un support, c'est juste d'empêcher un mec de venir one-tap ton ADC, Milio va être plutôt intéressant. Donc même un truc genre Jinx peut-être c'est techniquement fonctionner, surtout que on peut aussi penser à des AK qui vont utiliser de leur range et abuser de leur range et qui vont donc avoir une range encore plus importante comme Caitlyn par exemple, des trucs comme ça. Il y a énormément de personnages qui peuvent rentrer dans la composition, pas Jhin, pas le Kaisa parce qu'eux ils veulent plutôt go in et Milio bah, c'est potentiellement le pire ADC, le pire support pour pouvoir go in, c'est vraiment purement un protecteur. Et du coup c'est vachement mieux d'utiliser ça sur des personnages qui vont être plus là pour rester sur stand high ground, on va dire, pour vraiment rester en mode défensif et laisser les ennemis venir vers eux pour que derrière Milio puisse leur mettre des petites balles de foot et purge des gens et mettre des zones de heal et des shields et tout ça. Bref, exception faite de Lucian, bien évidemment, puisque Lucian a une interaction spéciale avec Milio qui fait que ça rend, on va dire, c'est toujours le même truc, c'est du Lucian te dash dessus et one tap, sauf que maintenant il a une petite zone qui en plus augmente sa portée, enfin en plus de faire des dégâts supplémentaires. Est-ce que Pitpen est là? Où est-ce qu'il est? Il est là, ok, parfait, très bien. C'est juste pour la suite, en même temps, parfait. Donc, tout ça, c'est pour ce qui est de Milio. Donc c'est intéressant du coup de l'avoir pris en B1 pour la part de G2. Le problème, c'est que bon, évidemment, Milio n'a absolument aucun potentiel de flex, mais je pense que ça, il s'en fout un peu. C'est surtout que ça ne permet pas forcément de deviner l'ADC qui va être choisi après, et ça sécurise un pick qui est fort dans la méta actuellement, puisqu'en plus, il va se faire nerf dans les prochains patchs, ou s'il n'est pas déjà nerf en 13.12. Donc ça va, pour l'instant, aucun problème. Par contre, du côté de Fnatic, du coup, on va sécuriser la Nico, qui est un pick qui est très très beaucoup joué, et qui en plus a l'avantage de pouvoir être flex en jungle ou en mid lane si le match-up est meilleur, et du coup, ça permet un peu d'avoir une flexibilité dans la draft, et de pas forcément trop se montrer en termes d'identité. D'autant plus que Nico peut techniquement jouer en termes de pure défense, et d'utiliser son outil en réaction à une engage, ou essayer de faire les trucs qu'elle fait maintenant, c'est-à-dire se transformer en sbire et te foncer dessus, et te mettre un giga ulti sur 5 personnes. Surtout que l'avantage que t'as avec Nico maintenant, c'est que la première activation qui bump les gens n'était pas là avant le rework, que maintenant qu'elle est là, l'activation de l'ulti et la sécurisation des dégâts arrive plus tôt, ce qui fait que c'est plus difficile pour les ennemis d'esquiver, on va dire, l'ulti, et de se rendre compte que l'ulti va arriver déjà, et d'esquiver à temps. D'autant plus que lorsqu'elle est très camouflée en un personnage, eh bien l'ulti n'est pas visible. Du coup, c'est rigolo. C'est rigolo d'avoir un gigantesque bump de zone que tu vois qu'au moment où il apparaît. C'est super, super drôle. Merci Riot pour ce design de fou. En même temps, on a du coup le Lucian qui est sélectionné. Et là, je vais avoir un petit problème qui me fait un peu chier. Et c'est un peu le gros problème de Fnatic pour l'instant. Qui est, il y en a plusieurs, mais au moins le plus gros problème que j'ai pour l'instant avec Fnatic, c'est les drafts. Mais pourquoi est-ce que je dis le problème de Fnatic, c'est la draft alors qu'ils ont plus que deux personnes pour l'instant, que deux champions? Lucian, pour le coup, c'est le début des emmerdes, on va dire, dans la game. Parce que déjà, tu choisis un champion qui, pour le coup, on va pas se le cacher, il a pas 46 milliards d'identité de jeu. Lucian, c'est je go in. Oh wow, c'est. Oh bah putain, c'est très gros comme. c'est très gros comme dessin, ça dit. Hein. Ok. Donc c'est go in. Et du coup, bon, bah, à partir du moment où t'as un ADC qui go in, tu vas pas forcément faire grand chose d'autre dans l'équipe. C'est vraiment une composition qui va être, qui a forcé du coup la Nico, qui peut être dans plusieurs trucs, faire son go in de fou furieux. Et du coup, ça vend un peu la mèche, on va dire, sur l'identité de jeu de la compo Fnatic. Et en plus, du coup, c'est déjà une composition qui, dès le premier pick de G2, c'est-à-dire Milio, et bah, elle se fait bien counter sa race. Du coup, c'est ça le problème, c'est que, en fait, tu vas essayer de vouloir one shot un mec qui va potentiellement recevoir une zone de heal, un heal en zone avec son... Une zone de heal et un heal en zone, c'est différent, hein. Je parle du Z ou de l'ulti Milio, plus des shields qui augmentent la vitesse de placement, donc en plus ça rend plus chiant la capacité de suivre la personne avec Lucian, ça donne énormément de protection à l'adversaire, enfin c'est ultra chiant d'arriver à effectivement faire des dégâts à l'adversaire avec Lucian. Surtout qu'en plus, le problème que t'as avec Lucian, c'est que tu sais déjà quel va être le personnage juste après, ça va être un ami, évidemment.
Donc c'est en plus un champion qui va en plus vendre la mèche sur son support, ce qui est un peu chiant. Parce que là forcément, Lucian n'est viable qu'avec actuellement deux supports, c'est-à-dire Milio, LOL et Nami. Du coup, bon, voilà, je peux déjà littéralement sélectionner Nami parce qu'on sait très déjà qui va être le troisième pick. Du coup, ouais, c'est ça qui est un peu chiant avec Lucian, c'est que bah, t'as pas beaucoup de choix de support, et du coup, je peux difficilement flex la composition pour la faire rentrer dans une thématique et dans, basiquement, une entité de jeu et un objectif qui sera plus intéressant que face à l'équipe adverse, on va dire, en gros. Ça donne moins de modularité à la composition. Donc, c'est un peu chiant. En plus, comme je l'ai dit, la thématique de Lucian est directement counter par le seul pick de G2 pour l'instant, et c'est ça que j'aime pas trop de fou. J'espère au niveau de Fnatic que c'est juste un test, parce que c'est la première fois que Noah joue un autre champion qu'a Felios, en tout cas sous le couvert de Fnatic, et donc j'espère que ce n'est qu'un test de la part de Fnatic pour savoir si c'est possible avec la botlane qu'ils ont d'exploser la botlane, même une des meilleures botlanes de la meilleure botlane d'Europe pour l'instant, hein, on va pas se le cacher, parce que c'est pas comme si Upset allait porter Kaiser toute sa vie. Et c'est pas comme si non plus, même si Crowny était plutôt bon. En vrai, Crowny était plutôt bon, mais la Brov, tout ça, Crowny était bien, ok. Karzili, sans que ça dépend. Mais on va dire qu'en Sanami Kix, bon, c'est assez difficilement challengeable, on va dire, en Europe. Donc, voilà, ils se sont dit, est-ce qu'on peut prendre la meilleure botlane d'Europe et steamroll la game? Presque du limit testing, on va dire, de leur botlane et de la capacité à snowball même dans les meilleures conditions. Bon, je vais pas spoil, mais ça s'est pas extrêmement bien passé. Du coup, j'ai spoil. Bref. Et ensuite, du côté de G2, derrière, on se retrouve avec Aphelios. Très bien. Et en même temps, on a Maokai. Tac, tac. Pas forcément contre Aphelios Maokai. Et en plus que là, on voit que le piège se referme sur Fnatic, puisque là, on a Aphelios qui, encore une fois, est un champion qui rentre totalement dans l'identité de jeu de G2 actuel, qui est de juste protection, carry, qui aime bien de recevoir l'engage comme Aphelios. Parce qu'Aphelios, lui, bah, son ulti, il lui permet déjà de faire énormément de dégâts quand il touche des gens en zone. Et si toute l'équipe te fonce dessus, bah, c'est vachement plus facile de toucher ton ulti sur les gens. Mais en plus, 4 des 5 armes de Aphelios sont meilleures lorsque les ennemis te foncent dessus et foncent sur toi et se retrouvent à ton corps à corps. Donc, clairement que c'est un personnage qui déjà est un personnage qui s'énergise très très bien avec Milio, mais en plus un personnage qui counter très très bien la composition de Fnatic en face. Ensuite on a le pick de Maokai. Alors Maokai est un personnage qui en termes de macro game est broken, on va pas se le cacher, c'est pas genre un personnage qui est broken en général, je trouve qu'il est fort mais sans plus. Mais c'est vrai qu'en fait c'est dans les combats d'objectifs où il est vraiment très très fort, parce que le Wise Mystical Tree, il a juste à balancer son ulti et derrière l'équipe en face elle peut plus jouer. Du coup, il y a une petite mini-quête, en plus du fait que Maokai évidemment peut jouer complètement une composition protect, en plus d'une composition où tu peux plus go in sur les gens, mais il peut très très facilement se mettre en frontline, se positionner entre l'ADC et le Lucian Nami, et potentiellement tank des trucs s'il joue en full tank, ou alors en first strike, utiliser sa puissance avec les Pikmin pour contrôler complètement le terrain et l'espace au niveau des objectifs, et empêcher l'équipe adverse d'avancer dans la mêlée et de contester un objectif qui, si la position était prise au préalable. En plus de ça, je vais reparler de l'ulti du coup, ça met une petite mini-quête sur la composition Fnatic, c'est qui va se prendre l'ultime Maokai. Parce que du coup, au cas où, hein, je redonne, l'ultime Maokai c'est genre un gros outil qui fait à peu près ça, un champion ça fait à peu près ça en taille. Du coup, comme le truc est divisé en 5 parties, la question c'est, voilà, le counterplay, on va dire optimal de l'ultime Maokai, c'est toute l'équipe se met en ligne, et il y a un mec qui se prend le route, et les autres, bah ils sont ok. En gros, c'est comme ça que c'est censé fonctionner. Donc la question c'est qui va être cette personne là, qui va se prendre l'ultime Maokai à chaque teamfight, et du coup qui peut survivre en fait au fait de se faire route pendant quelques secondes, sachant qu'on va avoir derrière potentiellement un route de Maokai si la cible n'est pas assez tanky, qu'on va avoir un DPS de Aphelios, des trucs comme ça. Donc c'est un peu la question qui va devoir être répondue par la draft de Fnatic maintenant, sachant que pour l'instant absolument aucun des personnages qui a été pick pour l'instant par Fnatic ne peut se prendre l'ultime de Maokai sans se faire one shot la gueule. Et donc c'est problématique, parce que du coup l'ultime Maokai il y en aura un à chaque teamfight, et si t'arrives pas forcément à enflammer la game de manière à ce qu'il n'y ait pas de teamfight comme ça en 50-50 entre deux équipes, et ben ça va être très très compliqué pour toi de gérer ce genre de game, ce genre de teamfight en général. Donc, ça c'est pour la première phase, bien évidemment bon, c'est Nami du coup, j'ai pas besoin de dire qu'elle a été pique,
et j'ai des problèmes avec Nami parce que bon, le problème c'est que la synergie du personnage est quasiment, la viabilité du personnage est entièrement basée sur Lucian, donc forcément en elle-même c'est un enchanteur qui est pas si bon que ça. Du coup ça pose un peu de problèmes, surtout quand un des meilleurs joueurs que t'as dans ton équipe c'est Trimby, qui est un des meilleurs supports d'Europe, et tu le fous sur Nami Duty, bon c'est un peu chaud. Ensuite en termes de ban, du coup au niveau de Fnatic ça va ban le Jayce, Jayce qui est un flex pick en mid lane et en top lane, donc plutôt un bon choix parce que ça peut être pick dans les deux côtés, et qu'en plus vu la capacité défensive de G2, le pick de Jayce leur permettrait à G2 d'avoir un autre range qui fait que ça pousserait encore plus Fnatic à avancer vers la compo G2, ce qui est exactement ce qu'ils veulent. Donc je trouve ça ok tiers, même si ça ferait quand même pas mal de dégâts physiques. Le fait qu'il y ait un Maokai peut compenser un petit peu ça. Et en plus, une phase de lane qui est plutôt dominante, on va dire, en top lane et ok tiers en mid lane. Donc c'est un peu chiant à affronter. En ce qui concerne G2, on va ban la Kindred. Kindred qui est un pick qui affectionne beaucoup Razork et qui a certainement, je crois, un win rate de 100% d'ailleurs dans cette année, si je me trompe pas. Je vais regarder sur Gold 2 secondes, mais je suis quasiment sûr que Razork a un winrate de 100% sur Kindred. Ah non, mais je suis con. En fait dans ma tête, je me disais il a 100% de winrate parce que dans ma tête, ils ont gagné la première game contre Vitality en Winter. Bah, my bad. C'est vrai qu'il a perdu du coup. Mais en gros, il était plutôt convaincant sur le Kindred dans les deux games qu'on a vu pour l'instant. Et donc, c'est un de ses meilleurs champions. Et surtout, un champion qui a un potentiel très intéressant. Parce que du coup, vous vous rappelez du problème de l'ulti de Maokai. Bah, techniquement, une Kindred peut se prendre l'ulti de Maokai et se dire, bon, bah, s'il y a vraiment un problème, j'ulti, on s'en fout. Et derrière, on a détruit la game parce qu'ils ont claqué tous les cooldowns sur un personnage qui ne pouvait pas mourir. Donc ça, c'était plutôt intéressant comme ban, et en plus ça permettait de potentiellement recentrer la composition de Fnatic vers un petit Stand Your Ground qui aurait pu totalement fonctionner et jouer sur un poke entre guillemets, un semi-poke et une défense derrière des carry principaux qui aurait permis du coup à Fnatic d'avoir un peu plus de tankiness par rapport à leur compo qui était relativement squishy jusqu'alors. Et donc très très bon ban pour le coup. Pour l'instant très bon ban des deux côtés. Bon, après derrière il y a un ban Syndra, donc évidemment derrière je vais avoir l'air d'un connard, mais bon. Si tu voulais pick un mid laner au niveau de G2 en B4 et que tu voulais pick un mid laner qui était vachement plus défensif en général, il y a énormément de champions qui peuvent fonctionner autre que Syndra, et je suis pas sûr que Syndra soit vraiment un truc qui soit particulièrement fort, ou en tout cas particulièrement plus puissant que des trucs genre Talia par exemple, qui pourraient empêcher les dash-in potentiels des autres personnages et les engages qui pourraient inévitablement venir à travers le R4 et le R5 des champions de Fnatic qui vont de toute façon certainement vouloir chercher à avoir des dash pour pouvoir continuer le go-in et se mettre sur la gueule de G2, et que derrière l'outrange relatif pourrait lui permettre de un peu mieux jouer dans la composition, même si le seul problème c'est que pour l'instant il n'y a que genre un dash en 3 personnes, mais comme j'ai dit, les dash allaient certainement arriver de toute façon. Une Orianna pourrait aussi fonctionner à la place de la Syndra, il n'y a pas trop de problèmes à ce niveau-là, c'est juste que effectivement tu perds la dispersion des faibles qui est son meilleur sort, évidemment, mais c'est pas non plus genre la fin du monde en général. Une Cassiopeia pourrait tout à fait également remplir exactement le même but, surtout qu'on sait que Cassiopeia pour le coup est un double flex, puisque Caps peut le jouer tout comme Broken Blade qui n'a pas encore choisi son personnage, donc c'est un pick qui aurait été très intéressant de ban. Et même je pense potentiellement plus intéressant à bannir que la Syndra. Donc voilà. Et même en Azir, même si Azir pour l'instant n'est pas très très joué, on va un peu l'enlever. Anivia, le problème d'Anivia c'est qu'on manque encore peut-être un peu, il y a peut-être un peu trop de range entre guillemets. Parce qu'Anivia aime beaucoup quand il y a beaucoup de mêlée. Là même si les ranges de Fnatic n'ont pas une si grosse range que ça, c'est pas non plus un truc de fou furieux quoi. C'est pas non plus un full mêlée. Donc un peu chiant. Et derrière du côté de G2, c'est le bannissement du Nocturne. Pareil, Nocturne, champion de jungle qui go in, littéralement comme dans leur composition. Le problème que j'aurais, c'est que effectivement ça rentre bien dans la composition de Fnatic, mais d'un autre côté tu te dis que bah, si effectivement il y a un Nocturne qui est pick, bah, tu t'en fous un peu. Alors je suppose que c'est pour la synergie avec Nico, parce que du coup tu vois encore moins facilement l'ulti de Nico qui peut arriver sur Watts et les flanks que peuvent faire une Nico dans une game. Tu peux plus facilement te prendre l'ulti sur 5 personnes, pourquoi pas. Après, je pense que c'est un personnage qui perdrait énormément en valeur dans la game et qui rendrait un peu le tout très très chiant et très très compliqué à manœuvrer, on va dire, pour Fnatic, parce que leur jungler déjà, en plus de faire des dégâts AD qui
commencerait un petit peu à se superposer avec ceux du Lucian, aurait aussi des problèmes du fait que il tomberait très rapidement derrière et servirait juste que de bot à ulti, ce qui est un peu chiant. Et un peu nul quand tu cherches un peu à avoir une composition full go-in. Je pense qu'en termes de jungler, si tu voulais vraiment bannir des personnages go-in, bon, il y a le Hecarim qui peut fonctionner, qui est plutôt pas dégueu, même si je vois pas tellement de Hecarim en ce moment. Même des picks comme Sejuani, par exemple, je sais pas où elle est, par contre. Je l'ai perdu. Mais en tout cas, même des picks comme Sejuani en jungle peuvent complètement fonctionner. Il n'y a pas trop de problèmes avec ça. Et surtout, le pick que va choisir Razork en termes de jungle, qui est Viego. Bon, personnellement, j'aurais banni Viego avant de bannir Nocturne, spécifiquement compte tenu de l'efficacité de Razork sur le personnage. En tout cas, de la manière qu'il a de revenir toujours sur Viego au bout d'un moment. Mais bon, au moins, voilà. Le problème qu'on a, en fait, surtout, il vient surtout de Tatic. Pourquoi est-ce que tu décides de partir sur Viego maintenant? Alors, je comprends que ce soit intéressant du côté de Tatic. Et techniquement, dans la draft, si on n'avait pas un personnage comme Xanté qui existe, il n'y aurait pas eu trop de problèmes au fait de pick Viego, parce que techniquement, tu piques le jungle qui est déjà pick en face, comme ça tu te permets d'avoir un counter pick en top lane en R5. Ce qui est bien, du coup. Tu pars du principe que c'est mieux de counter pick la jungle quand tu sais que le matchup est déjà connu, et de derrière laisser le pick de Oscarinine en R5, comme il a la vision de la mid lane et de la top lane de G2, comme ça il peut faire le bon choix en termes de top laner et de pick le champion qu'il veut. Le problème qu'on a, c'est que Xanté il existe. Et le fait de ne pas prendre Xanté alors que le personnage est giga fort et que apparemment Oscarine a l'air de très très bien jouer, ça me l'air d'être une belle manière de se tirer une balle dans le pied. Et la question que je me pose du coup dans ce cas-là, c'est pourquoi est-ce qu'on a décidé de valuer, on va dire, la jungle? Parce que forcément tu te dis, ok, pourquoi est-ce qu'on pique? Du coup on pique la jungle en R5, mais on sait très bien que Razor qui va prendre Viego, il va pas partir sur 45 champions non plus. Du coup la question, c'est pourquoi est-ce qu'on pique la jungle si tard alors que c'est une évidence dans ce que va jouer Razork en réalité. On n'était pas obligé, je pense, de partir sur un first pick Lucian Nami, ou en tout cas même sur une Nico, si le but c'est de quand même partir sur un Viego dans lequel on serait parti de toute façon. Parce que voilà, là on est en train de louper un peu un poste de un pick. Et si on avait un Xanté du côté de Fnatic à la place en top lane, là, on aurait déjà eu on aurait répondu à la question de Maokai qui va prendre ce putain d'ulti Maokai. Mais en plus, on aurait un personnage qui allait créer beaucoup de disruption dans la game, en pouvant déjà tanker pas mal de coups, et en plus, en pouvant tenter de go in et en prenant tout le focus sur lui, de manière à potentiellement nécessiter l'intervention potentiellement de Milio ou de Maokai, et derrière, donner de l'espace à Lucian Nami pour pouvoir placer leur DPS. Le problème qu'on a, c'est que le top lane qu'ils vont choisir est beaucoup plus télégraphié. C'est un peu plus facile de savoir quand est-ce qu'il va go in, quoi. Et de l'autre côté, un Viego, pour le coup, déjà, ne peut certainement pas se prendre l'ulti de Maokai sans se faire one tap, même s'il a techniquement son ulti qu'il peut utiliser pour temporiser l'ulti et se repositionner. Le problème, c'est que derrière, il lui manque énormément de phases de burst. Et sachant que le but de Viego dans la game, ça va être de prendre un corps et de one-shot la game derrière, enfin de faire un kill n'importe lequel en fait plutôt, ça fait un peu chier parce que du coup tu perds ton outil principal d'exécution et c'est pas forcément ce que tu veux faire. Donc ça laisse maintenant plus que la top lane, qui maintenant a du coup cette contrainte obligatoire d'être un tank, parce que si tu veux pouvoir survivre à l'ulti de Maokai sans te faire one-tap à chaque fight, il faut que tu prennes un tank, ce qui est un petit peu chiant parce que derrière, t'es obligé derrière de pas avoir une phase de lane qui serait si impactante que ça. Si l'équipe en face décide à tout hasard de partir sur Xanté, derrière en fait le problème c'est que si tu pars sur un tank, tu vas forcément te faire malaxer en phase de lane, t'auras pas une tankiness qui sera si impactante que ça et si puissante que ça, et du coup il y a même une capacité que si tu tombes trop derrière dans la game, tu te retrouves avec un tank qui va se prendre l'ultime ok mais qui va quand même se faire one shot. Ce qui est un peu compliqué du coup. Bref. Du coup, le problème du Viego, c'est à peu près ça. Et aussi le fait que, encore une fois, on est sur une composition qui, certes, est plutôt thématiquement ok, puisque ça va toujours go in. On n'est pas sur une composition qui est, dissonante avec elle-même. Le problème, c'est que ça fonce droit dans un putain de mur. Parce que, voilà, on a Maokai et Xanté maintenant qui sont deux gigantesques frontlines qui vont se placer entre eux et entre les carry et les gens qui vont les engage. D'ailleurs, on a Milio qui peut heal shield tout le monde et mettre son ulti pour purge les gens s'il y a des problèmes. Et Aphelios, lui, derrière, il est dans son cocon tout sympa et il n'y a aucun putain de problème. Ce qui est un peu dommage du coup dans la phase de draft actuelle. D'ailleurs, ça fait certainement extrêmement plaisir à Trimby d'avoir quitté Rogue pour se remettre à jouer Lucian Nami.
parce que vraiment, clairement, qu'il doit adorer ça. Donc voilà. Donc on a le pick de Xante, du coup, qui, comme j'ai dit, pose énormément de problèmes. Déjà parce que c'est une grosse frontline pour G2, en plus du Maokai, ce qui fait que du coup ça devient de plus en plus compliqué pour le Lucian Nami d'arriver à trouver de l'utilité dans la game, parce que forcément ça diminue le nombre de cibles potentielles de one-tap à juste Aphelios et Milios, ce qui est un peu chiant. Surtout que t'as pas envie de caler tout ton burst sur un support. Donc réalistiquement c'est surtout Aphelios, mais est-ce que tu vas réussir à toucher Aphelios sachant qu'il a une zone qui te permet de gagner de l'emporter et qu'en plus il y a suffisamment de protection en termes de frontline et de shield pour ne pas se faire one-tap? Ah, c'est compliqué. C'est très compliqué, et sachant qu'en plus tout ça, ça aide pas le fait que Xante va certainement 1v2 la botlane à partir d'un moment, parce que bah, le personnage est juste très trop fort en fait dans la méta actuelle, et que plus les semaines de jeux compétitifs se succèdent, et plus ça devient effarant à quel point le contraste entre le reste des top laners et Xante est énorme. Donc voilà. Xante qui peut en plus être flex comme ça, hein, voilà, bon, en plus, ça aurait été intéressant d'ailleurs parce que du coup, techniquement, si tu piquais Xante en R4, l'avantage c'est que la Nico peut toujours aller jungle ou mid, le Xante peut aller top ou mid, et en fait, finalement, bah, tu sais toujours pas vraiment qui va aller en jungle, qui va aller en mid lane. On pourrait avoir le pick de top en R5 avec potentiellement, je sais pas moi, une Camille qui serait là pour empêcher la Phelios d'être trop protégée. Et derrière avoir un Xante au mid lane, et derrière ça aurait pas été si dégueulasse que ça parce que bah finalement t'as pas tellement t'as toujours cette Nico en jungle qui peut te permettre de faire des trucs en AP, et la Camille de toute façon fait des dégâts bruts donc elle s'en fout un peu s'il y a de l'armor qui est sélectionnée dans l'équipe adverse, et c'est une bonne destructrice de Maokai, donc voilà, elle pourrait littéralement ulti n'importe qui one top one shot, et ce serait plutôt pas dégueu. D'ailleurs on pourrait à la place se dire bon on garde le Xante en top, mais à la place, on prend un autre pick en mid lane, par exemple. On peut prendre, je sais pas, genre un putain de Vel'Koz même, on sait jamais, qui outrange la Aphelios, qui en plus, derrière, peut se permettre de mettre son poke parce que le Xante va pouvoir se mettre en front lane, en top lane, et derrière, il pourra bloquer potentiellement l'ulti de Maokai pour empêcher Vel'Koz de se faire taper. Et derrière, il peut essayer de melt les potentiels front lane qui vont se mettre devant Aphelios, tout en outrangeant ce dernier pour l'empêcher de poser ses dégâts. Et tu peux jouer en mode full tank et tout, tu prends un Q-spell de Vel'Koz et derrière tu te prends un full combo de Lucian Nami qui te force soit Gale-Force soit de barrer, et ce qui serait plutôt très chiant pour l'équipe en face, ce genre de poke qui pourrait plutôt fonctionner. On a aussi potentiellement un Yone qui pourrait partir, même si Yone a un peu plus de problèmes de répartition de dégâts, au moins l'avantage que t'as c'est que t'es un peu un hybride avec Nico, donc t'es toujours AP AD donc ça marche quand même, c'est pas trop problématique. Et l'avantage que t'as pour le coup avec Yone c'est que tu peux dash in vers l'ulti de Maokai si je me trompe pas. Et appuyer sur E, et je crois qu'il y a une interaction bizarre qui fait que quand tu reviens vers ton clone, t'es insensible au CC, et donc tu peux ignorer des trucs, voilà. Sachant que ces deux personnages peuvent également être flex l'un avec l'autre, du coup l'un peut partir en top, l'autre en mid, si le match-up est meilleur, et donc ça aurait pu potentiellement créer de meilleures choses à faire, et si vraiment il y a un gros truc, il y a un gros problème, bah tu pars sur d'autres... Sur un autre pick, mais l'avantage que ce que je voulais en venir, là où je voulais en venir, c'est que il y a aucun rôle, que ce soit top, mid ou jungle, qui aurait été lock avec le pick Xante, et que du coup t'aurais pu foutre n'importe lequel de ces champions et t'aurais pu foutre un nouveau champion qui rentre mieux dans la composition G2 et dans ta composition à toi, que tu pourrais mettre que soit en mid, en top ou en jungle pour pouvoir rendre la composition plus intéressante. Là, le problème, c'est que quand tu piques Viego, bah, tu sais très bien déjà, un, qu'il te reste plus que la top lane parce que Viego peut pas aller top, et que le mid lane, ça va forcément être Nico parce que du coup, comme Viego peut pas aller mid, c'est Nico qui va forcément être mid. Voilà, c'est un peu chiant. Techniquement, Nico peut être flex en top, mais bon, on l'a pas encore vu après son rework, donc je me prononcerai pas trop sur la puissance du pick. Et derrière, en termes de pick, bon, là, Caps, il nous fait pas 45 révolutions du genre, hein, surtout qu'actuellement, Caps, c'est pas la folie. Donc, il part sur le job security pick par excellence, là, Harry. Qui en plus a l'avantage de pouvoir bien, on va dire, follow-up sur l'ulti de Maokai. C'est-à-dire qu'on va avoir un mec qui va se prendre l'ulti de Maokai, il va se prendre derrière forcément un petit bisou de Harry, un petit Z de Maokai, il va se faire full bump partout, et il va certainement se faire un peu plus facilement one-shot, et en plus d'être un deuxième champion qui va aider à donner les dégâts magiques, et l'avantage c'est qu'on n'a pas une Harry en solo AP qui va être qui a un peu galéré à foutre les dégâts magiques en général de l'équipe, puisqu'on a toujours un Maokai qui peut partir first strike, et jouer en mode full Demonic Embrace avec les petits Pikmin de merde, et ça va quand même fonctionner, donc pourquoi pas. Moi je trouve que c'est une très bonne composition de G2 qui en plus tire bien partie des anomalies actuelles qu'il y a dans la méta, et je trouve que c'est une très très bonne composition et qui counter très très bien celle de Fnatic. Là du côté de Fnatic on est un peu baisé,
Et du coup, on est parti, donc Oscarini est parti sur Malphiteau. Malphiteau qui est dans un spot un peu chiant. Déjà, la première chose qu'il y a, c'est qu'en top side, il n'y a qu'un seul champion qui fait des dégâts physiques, c'est Xanté. Donc du coup, bon, bah, un champion qui est très très fort lorsque tu dois prendre de l'armure, bah, sa vie elle est un peu dégueulasse quand il se retrouve contre un Maokai et une Ari qui va lui faire principalement des dégâts magiques, slash brut, donc sa vie elle est un peu dégueulasse. Sachant qu'en plus les dégâts de Amplifié de Milio sont également des dégâts magiques, donc il y a un peu trop de dégâts magiques pour que Malphite soit dans un spot plutôt ok. Ensuite, le problème qu'il y a, c'est que la cible de l'ulti Malphite, ce sera quasiment que la botlane et peut-être un peu le Maokai, parce que la Ari peut dash 45 fois et que le Xanté s'en fout. Donc c'est un petit peu compliqué pour lui de réussir à se faire une place dans les teamfights. Et en plus de ça, le problème c'est que la phase de lane Malphite contre Xanté, alors ça va pas être une partie de plaisir. Il y a de très fortes chances pour que Xanté lui pète la gueule, comme ce qui va se passer d'ailleurs. Et c'est pas forcément un problème de Oscarine ou pas, c'est juste que la nature du matchup fait que Xanté va naturellement gagner l'avantage en lane contre Malphite, qui a traditionnellement, historiquement, une phase de lane très très faible. Ce qui est un peu chiant du coup pour les Fnatic, parce que forcément, le fait d'avoir un maître un tank en arrière dans la game, ça veut dire que derrière, Ultima Okai, derrière il y a le bisou d'Ari, derrière il y a le Xanté qui te fonce dessus, derrière il y a le Aphelios qui te tape de loin, bah, c'est extrêmement chiant pour lui de réussir à survivre à tout ça, sachant qu'il va être obligé de partir sur la résistance magique et que donc la simple propriété de Malphite d'être particulièrement fort contre l'ARM n'est pas suffisant. En plus, le problème qu'il y a, c'est que Malphite dans un teamfight, bah, c'est un peu binaire, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 45 choix entre de go-in de Malphite. C'est l'ulti-in ou c'est l'ulti-out. Et le problème, c'est que, bah, en fait, avec dans la situation de la game actuelle, bah, déjà, sa composition crie, elle transpire l'ulti-in pour pouvoir permettre déjà à Nico de placer ses dégâts, de Viego de pouvoir faire son show derrière et de pouvoir placer son truc et d'assassiner un mec, et Lucian Nami de pouvoir faire son combo. Le problème, c'est que, encore une fois, ben, c'est assez télégraphé, et en plus, ben, l'ulti de Maokai fait que ça va être très compliqué pour lui de survivre à un ulti de Maokai, donc il va certainement être poussé à mettre des ulti out dès qu'il va se retrouver en danger, et lorsqu'il met un ulti out, il devient littéralement un plot pour son équipe, ce qui est très 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 problématique. Personnellement, en top lane, je pense que même à ce niveau-là, même au moment où je pense que le R5 de toute façon n'aurait jamais dû se retrouver dans la situation dégueulasse dans laquelle elle se retrouvait, je pense que j'aurais nettement préféré un Ornn, par exemple, qui certes aura une phase de lane qui n'est pas particulièrement meilleure que Malphite, même si quand même un peu meilleure dans la gestion, a toujours la capacité de pouvoir servir à déjà bloquer l'ulti de Maokai, surtout quand on part du principe que son Z peut l'aider un peu dans cette situation-là. Mais en plus, son ulti peut lui permettre de toucher la backline. Et la backline est justement une grosse ligne de frontline même devant eux, sans forcément avoir à se commit en fonçant devant les ennemis. Donc c'est plutôt intéressant, ça était plutôt intéressant, surtout que derrière ça te donne une perspective de scaling plutôt intéressante, ça donne des dégâts supplémentaires au Viego pour pouvoir lui permettre de faire des one-shots, ça donne des dégâts supplémentaires au Lucian et à la Nami qui de toute façon en plus vu leurs items et le fait que leur combo marche va multiplier leur burst, parce que c'est pas que un burst de Lucian, c'est aussi un burst de Nami, et donc augmenter la puissance de la Nami va aussi augmenter la puissance des all-in du Lucian. Donc c'est très très bon, et en plus pour la Nico ça lui donne un scaling supplémentaire qui va permettre de rendre ses outils plus dévastateurs. En plus l'avantage que ça a, c'est que c'est un personnage qui peut fonctionner même si c'est les G2 qui décident d'engage dans une partie, sachant qu'ils ont tout à fait les capacités d'engage avec Maokai, Xanté et Ari, même si la botlane n'est clairement pas une botlane qui est faite pour engage. Tu peux faire un ulti réactionnel et réactif, on va dire, je sais plus, bref, et l'utiliser en riposte de l'engage et fonctionner très très bien dans la game. Donc j'aurais clairement préféré un Ornn dans la game. Je pense même que aller jusqu'à un Sion potentiellement aurait été plutôt ok, parce que Sion a une tankiness qui est un peu plus, on va dire, globale par rapport à Malphite, et qu'il s'en fout de passer derrière lui pour le coup. Et l'avantage qu'il a, c'est que pour le coup, même si l'engage est pour le coup moins puissante, on va dire, qu'un Malphite ou qu'un Ornn, ça lui permet quand même d'avoir, il a quand même une petite engage quoi, et ça peut quand même lui permettre notamment de toucher des personnages comme Milio, Aphelios et Maokai qui sont relativement statiques et stationnaires, ce qui fait que tu peux quand même assez facilement te placer ton multi et des trucs comme ça, donc c'est pas si problématique. Le problème c'est qu'effectivement en dehors de ça il n'y a pas trop de vrai langage, pareil que, ou alors apparemment il faudrait que Humanoid fasse des trucs de ouf, c'est un peu le seul problème que j'aurais, mais dans les deux cas je préférais quand même Ornn par exemple, qui pourrait être je pense vachement meilleur. À la limite, on pourrait peut-être avoir un Shen, je sais pas quelle est la place de Shen dans la méta, mais un petit Shen qui reste sur la Nico et qui fait des trucs bizarres, pourquoi pas. Mais ouais, je pense que même au niveau de la top lane,
Le pic aurait pu être meilleur, mais je pense que les problèmes ont déjà commencé à partir du moment où on a piqué Usenami, puisque ça a bloqué Static dans une entité de draft qui n'était pas une entité optimale, spécifiquement contre le début de composition de G2. Et G2 a juste eu à construire sur leur fondation pour faire une composition qui faisait un counter parfait de celle de Fnatic. Je vais juste terminer sur un truc parce que j'ai vu dans le co-stream de Yamato que Bwipo n'arrêtait pas de recommander Shogat en top lane contre Xante. Et vu les arguments qu'il a l'air de positionner, je suis plutôt d'accord. Le gros problème qu'on a, c'est que effectivement, c'est pas techniquement un pick d'engage. Techniquement, ça poussait tellurique, je sais pas comment on appelle ça. Bref, son Q-spell avec sa grosse zone de bump peut techniquement servir d'engage, mais c'est vrai que c'est un truc qui peut techniquement être un peu sidestep, surtout avec le Aphelios Gale Force qui en plus va être boosté en termes de vitesse de placement par milieu, mais au moins il permet d'avoir un potentiel disruptif qui est supérieur au suite du Malphite, parce que Malphite pour le coup c'est vraiment une fois qu'il a utilisé son ulti, il sert à rien. Shogat il peut quand même essayer de faire des trucs, avoir une bonne phase de lane contre Xante, c'est pas forcément un gros problème, et Maokai il peut pas forcément trop s'approcher de Shogat parce que sinon Shogat le mange, donc c'est pas trop problématique. Et voilà, ça donne une petite front lane, ça permet d'aider en plus, grâce à son ulti gigantesque, la capacité de Viego à prendre un shutdown dans la game, et à derrière avoir une possession et faire des trucs de fou. Ce qui aurait été très très intéressant dans les teamfights, où juste un petit kill récupéré, ça aurait permis d'enchaîner avec pas mal de trucs. Voilà. Donc c'est à peu près ça que je dirais. Je pense que Shogat est un bon pick, Horn pareil, et que le Malphite pour le coup, même si il aurait jamais dû se retrouver dans cette situation là et qu'on aurait potentiellement dû partir sur le Xante D, le R4, c'est un pick qui aurait pu être meilleur même dans cette situation là. Et c'est un peu le... Je terminerai un peu cette partie draft en disant que oui, définitivement, le problème de Fnatic dans cette itération actuelle pour l'instant, c'est que les drafts ne sont plus les mêmes qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, on était sur une identité de draft qui allait vachement plus dans un style de jeu plus réactionnaire, plus orienté scaling, notamment dû au fait que Reckless, à l'époque, Reiki, hein, comme on l'appelle, était plutôt en phase de prendre des ADC qui scalaient tranquillement vers le late game, surtout que bon, on va pas se le cacher, une fois qu'on l'a vu dans le Spring, c'était aussi qu'il avait quasi, clairement pas les capacités mécaniques de piloter des champions qui étaient forts en phase de lane, ce qui fait que du coup, bah, ça, c'est ce que je pensais, ce que je prenais pour une idéologie, on va dire, pas forcément une idéologie, mais une identité de jeu, n'était en fait qu'une limitation en fait, de sa part, ce qui est un peu ce qui a empêché Fnatic d'avancer suffisamment dans les phases de jeu et la progression du Spring. Mais du coup, vu qu'on est reparti sur Noah Trimby, j'ai l'impression qu'en fait, les joueurs du staff se sont retrouvés avec des joueurs qui étaient meilleurs mécaniquement, qui écrasaient certainement en scrim leurs adversaires, avec des picks de lane comme Lucien Nami. C'est d'ailleurs pour ça que Noah disait, notamment sur sa page Twitter, que Aphelios était le champion sur lequel ils avaient le moins bon win rate. Alors, comme une blague, parce que justement, leurs deux premières victoires assez convaincantes contre Astralis et contre Excel avaient été réalisées avec un Aphelios. Donc, c'était une manière de dire, bon, voilà, le champion sur lequel je vous écrase, c'est même pas c'est le champion sur lequel on est censé être le moins fort parce qu'on a le moins de win rate en scrim. Mais bon, un, les win rate en scrim n'ont aucun intérêt. Et de deux, si en scrim, vous éclatez votre lane et vous gagnez la partie en 20 minutes, déjà de 1, ça ne veut pas forcément dire que vous allez faire la même chose en on stage. C'est clairement pas le même environnement et il y a des différences qui font que c'est vachement plus facile de stabiliser une game en profitant du fait qu'il y aura un regain de stress potentiel des deux équipes dans les affrontements. Mais en plus, le problème principal que ça va avoir aussi, c'est que si tu éclates toutes tes games en 15 minutes, tu sais pas tellement jouer le minute game que ça une fois que ça ne marche pas. Et c'est ça qui est un peu problématique, et c'est ce qu'on va voir dans la game de Fnatic. Et du coup, ça va aussi, oui, en plus du fait que ça va également orienter ta vision de la méta vers des picks qui sont très forts en lane bully, parce que comme tu gagnes ta lane tout le temps, et tu vas avoir l'impression que ces picks-là sont broken, mais dès que tu vas arriver on stage et que tu vas pas autant dominer ta lane qu'avant, tu vas avoir l'impression que tu vas te retrouver baisé parce que tu vas faire « Ah merde, en fait, les games sont vachement plus difficiles à gagner quand on n'a pas qu'un skill à 15 minutes. » Bon, on va passer à l'analyse de la game, du coup. Alors, donc, on va juste rappeler directement pendant le début de la partie, parce qu'il va y se passer de fou. Au niveau de la phase de lane, normalement, Noah et Trimby sont censés être devant en termes de laning pure contre Aphelios milieu. Ça, c'est ce que je dis, hein. C'est censé, sont censés.
D'ailleurs, en termes de mid lane, c'est censé être équivalent, on va dire. Hein, je pense pas que Nico va être si impactante que ça contre Ahri. C'est pas si fort, voilà, même si Mononé arrive à trouver quelques petits picks. Et par contre, en termes de bot lane, là, c'est plutôt Xanté qui est censé avoir le push et l'avantage de lane contre Oscar Inin. Donc, on est plutôt sur des phases de lane qui sont équivalentes, ce qui est un peu chiant parce que du coup, le scaling de G2 est supérieur à celui de Fnatic, ce qui est un peu, voilà, ça va poser un peu problème parce que ça veut dire que le Fnatic sur le beatdown, c'est Fnatic qui doit avancer vers G2 pour gagner, on va dire. Ce qui veut donc dire que G2 peut juste se contenter de réagir dans la game. Bref, donc on va avoir un petit passing vers le bot side pour Razor, pareil, non plus pareil, plutôt l'inverse pour Yai qui va plus passer vers le top, ce que je comprends pas pour être honnête, encore une fois c'est la même erreur que faisait Yai pour MSI, où en fait la botlane est extrêmement centrale à la condition de victoire de son équipe, parce que Aphelios c'est la quasiment totalité des dégâts de son équipe en dehors de potentiellement Ahri, même si il sentait effectivement pas avoir quelques trucs. Et du coup, je pense qu'il aurait certainement dû essayer de match le décalage de Razork en botlane, parce que c'était un peu la seule manière que Fnatic avait de gagner, c'était de détruire la botlane et de dire Snowball à partir de là, parce que du coup, Ahri devient une cible de one-tap, la botlane est une cible de one-tap, Maokai, s'il n'arrive pas suffisamment à se stop de manière temp, qui devient une cible de one-tap, et ça devient une fiesta. Donc là, heureusement pour G2, Razork va se faire un peu avoir dès le début et Gonsama va prendre le bon réflexe de se barrer vers le côté et pas de repartir vers la tour, là où Gwanor et Trimby auraient pu le catch facilement. Bon, le problème c'est que Trimby a décidé de faire des trucs un peu bizarres, enfin Trimby, Mikix a décidé de faire des trucs un peu bizarres, parce qu'il aurait pu se barrer directement pour suivre Gonsama, mais je suppose qu'il n'avait pas forcément de connaissance de où est-ce Gonsama allait aller. Du coup, il s'est pris des gros dégâts de la botlane, mais comme le focus était plutôt divisé entre les deux, on voyait par exemple que ce qu'a infligé Razork en dégâts à Gonsama, il aurait pu l'utiliser pour tuer Mikix, et inversement. Ça n'a pas forcément donné grand chose. Mais au moins, ça a fait claquer deux spells offensifs à. Enfin, deux spells défensifs à Gonsama et à Mikix, ce qui leur pose problème. Derrière, il y a potentiellement un tower dive qui arrive, et du coup, Gonsama et Mikix vont spot le tower dive et vont décider de concede la wave. Ce qui est une bonne chose de leur côté, pour pas forcément se faire détruire leur lane, mais d'un autre côté, ça les fait perdre énormément de sbires en même temps. Et pendant ce temps, on a un flash out de Oscar Inin. Bon, je pense que c'est normal, il aurait pu potentiellement crever si Yike avait pu flash in Z, flash in route, donc c'est pas dégueulasse. Caps qui est un peu bizarre du coup, parce que du coup il a pas forcément connaissance du fait que Razork était déjà présent en botlane, et donc il aurait peut-être dû essayer de freeze plutôt que de push. Je sais pas ce qui s'est passé au niveau de la lane pour que ça se retourne dans cette position là. Du coup on a un canon qui est en train de push contre plusieurs sbires d'une wave sans... Non, s'il y a le canon ici, ok. Non, c'est juste que... Ouais, il est en train de push, mais en même temps ça slow push du côté d'humanoïde, c'est un peu bizarre, je comprends pas comment est-ce que la wave s'est arrivée dans cette situation là, mais... Le fait est que du coup, Razor peut tranquillement passer par le bot side dans lequel il était déjà pour tenter un gank sur Caps. Bon, l'avantage qu'il a, c'est que Humanoid n'a pas flash le bisou, ce qui est un peu dommage du coup, parce que ça veut dire qu'il a pas pu. Voilà, il a forcé un peu Razor à tenter son flash Z sans avoir un potentiel de sécurisation de la part d'Humanoid. Bon, l'avantage que ça, c'est que du coup, Humanoid a temporisé son burst et donc peut l'utiliser sur la cible une fois qu'elle est stun par Viego. Mais par exemple, si Caps décide de réagir bien aux Z chargés de Razork, bah, il se passe plus rien, quoi. À la limite, l'avantage que ça, c'est que tu peux derrière flash in, mais tu perds pas mal de potentiel de DPS. Derrière, le problème, c'est que comme tu. Ouais, l'avantage, le problème qu'on a, comme vous le voyez, c'est que pour le coup, Humanoid garde son E à ce moment-là. Je comprends pas trop pourquoi, parce qu'en réalité, il aurait pu juste. Compléter le Z de Razork avec son propre E, et derrière les trois procs du Q-spell auraient touché, et je pense que ça aurait été un kill de toute façon. Là, l'avantage du coup pour Caps, c'est que Yike arrive, et derrière elle va nous faire un magnifique Z Q-spell qui va empêcher les Fnatic de récupérer le kill. Alors c'est très risqué, parce que pour le coup, si Fnatic récupère effectivement le kill, derrière Yike est mort potentiellement également. Mais là le problème c'est que du coup on a eu un flash-in du Manoïde à un moment, si je ne me trompe pas. Mais le problème qu'on a c'est que du coup il flash-in mais il n'y a plus de Q-spell. Et du coup bah, en fait il n'y a pas le follow-up qui est censé y avoir lorsque tu mets un E avec Nico qui est le Q-spell forcément. Et du coup ça permet à Caps de pas forcément crever et d'utiliser son flash pour se barrer. Et du coup là ça donne pas le first blood que tu avais envie d'avoir. Gaik derrière qui flash out, bon. Le fait est que du coup on a deux summoners qui sont utilisés contre un, mais le problème de Cap c'est que là pour le coup déjà qu'il se prenait une wave en moins, et là il va être forcé de back parce qu'il y a Razor qui est Manoïde en plus d'HP et qui vont pouvoir push la wave. Caps en plus n'a pas de TP contrairement à Humanoïde qui a la sienne.
ça va commencer un bon gros snowball en mid lane. Ce qui est pas très très fifou quand tu sais à quel point une Nico peut snowball derrière. Donc c'est plutôt chiant. Au moins un bon cancel de back du back de Razor, mais il va en profiter pour counter jungle derrière. Là, qu'est-ce qui se passe alors non, j'allais dire qu'ils sont revenus en termes de sbires, mais du coup non, parce qu'il y a la wave qui n'a pas encore crash. Mais voilà, en tout cas, on voit que la botlane entre Sama Mikix ne se fait pas autant péter la gueule que prévu. Même plutôt, ils ont l'air d'être plutôt even, ce qui est un peu problématique pour une phase de lane qui est censée être dominante et jouant sur le snowball comme Noah et Trimby, ce qui montre que du coup les scrims sont pas forcément la même chose si la domination de Lucian Nami en lane et l'explosion de leur lane grâce aux capacités mécaniques inhérentes aux joueurs était censée, avait l'habitude de se produire. Là, c'est pas trop le cas, donc ça prouve quand même que le stage, le fait de jouer on stage, a des différences sur comment est-ce que les lanes aboutissent. Là, on a un beau cancel de Ukraini, mais qui va pas pouvoir faire grand chose de tout ça. Et on a du coup Razor qui décide de recommencer à passe. Du coup, il était parti. Alors, du coup. Non, en fait, je pensais qu'il avait fait les corbins, mais en fait, finalement, il a fait non. En fait, bof. Je sais pas ce qui En fait, j'ai l'impression qu'il est en train de faire les camps, mais qu'il l'a pas fait vraiment. Parce qu'on a l'impression qu'il se déplaçait sur la map, comme si. Attends. Il en a fait quelques-uns. Il est passé de 28 à 30, puis à 31, et derrière, il se barre. Ok. Bon, très bien. Et derrière, du coup, il va repasse en bot lane parce que du coup, pour la wave est complètement push. Ils n'ont pas réussi à push à temps parce que là, on a la wave qui était justement en freeze ici sur le bot side avec une autre wave qui arrive. Donc, ils n'ont pas réussi à crash la wave. C'est un peu le seul faute de Hansama et Mikik sur l'action. Le problème qu'on a, c'est qu'il n'y a pas énormément d'HP sur la bot lane de Fnatic et qu'ils auraient pu potentiellement se retourner pour essayer de trouver un truc sur Trimby. Mais intelligemment, ils vont continuer. Mikik qui va faire un truc de fou furieux pour le coup. Parce que il voit pas Razork. Razork est dans la brume. Et il va mettre un beau Q-spell. Qui en plus est. Il est calé pour que ça touche Razork uniquement s'il se colle au mur. Et ça va le toucher. Et du coup, ça va cancel son Z, si je me trompe pas. Je crois que c'est ce qu'avaient dit les commentateurs à l'époque. Allez, on va voir. Ouais, là. Il a son Z. Donc il a potentiellement le stun sur soit Mikkei, soit Hansama. Mais il va se faire stun. Il va se faire repousser à ce moment-là. Ce qui fait que du coup, eh ben, il lui manque son burst derrière et que ça va permettre à Hansama de flash out avant que le DPS de Noah puisse partir et le tuer. Donc du coup, on arrive à un point où on a eu un flash et un heal, donc les deux summoners utilisés par Trimby contre juste le flash de Hansama, et en fait finalement on s'en sort plutôt bien du côté de la botlane de G2, surtout qu'en plus il y a des sbires qui sont partis sous tour, et donc l'avantage de CS qu'il y avait du côté de la botlane de Fnatic a été un peu baisé. Encore une fois, le problème qu'on a, c'est que si tu te fais botlane dans ce genre de phase, et eh ben le snowball peut pas forcément autant arriver qu'avant. L'avantage qu'on a au moins, c'est que la botlane, la top lane pour l'instant a l'air de pas si mal se porter, mais on est qu'à 6 minutes de jeu. Voilà. Après normalement je crois qu'il se passe pas trop grand chose, si je me trompe pas. Voilà, on a le jungler et le support qui viennent pour aider Caps à push avant qu'il puisse back parce qu'il manque beaucoup d'items. Parce que là, il y a l'alternateur X-Tech humanoïde contre juste un saut noir et une des bots. Donc c'est un peu compliqué pour lui de push, donc c'est pour ça qu'il a besoin d'un peu d'aide de son support et de son jungler qui décale. Derrière, il y a le Drake qui est commencé du côté de Razork. Mais le truc, c'est que bon, déjà, même si la priorité de la lane a été récupérée par Caps. Ouais, ils s'en rendent compte que bon, une fois que Nico repasse un peu devant en termes de et qu'elle arrive à voilà, arrive à push, bah c'est impossible en termes de 2v2 pur, bah même de 3v3 ou de 4v4 de contester la botlane de Fnatic avec le jungler et surtout l'état actuel de la mid lane. Si on peut voir ici, bon voilà, si Nico arrive dans le fight, bizarrement elle va faire un peu plus que la Harry vu les items de la Harry par rapport à ceux de Nico. Et surtout, si on regarde aussi au niveau de la botlane, on voit qu'il y a un bon gros BF glaive plus lame plus épée longue contre juste des bots en 2. Bots en 2 qui sont bien pour le côté safe du truc, mais clairement pas aussi fort là à l'heure actuelle contre le burst actuel de Fnatic. Donc c'est pour ça que du coup ils vont laisser le Drake, ce qui est une bonne idée de leur part, mais du coup ça enclenche un peu le snowball de Fnatic. Le problème de Fnatic, du coup, l'avantage de G2, c'est que le Drake quand même fait légèrement tard. Ils auraient peut-être pu commencer une ou deux minutes avant, peut-être à la place d'un des gants qui n'a pas forcément fonctionné, ce qui leur aurait permis d'enclencher le snowball des Drake vachement plus facilement et plus rapidement, ce qui leur aurait permis d'avoir une âme potentielle vachement plus tôt, et donc avant un potentiel revirement de situation des G2. Voilà, donc là pour l'instant, Fnatic a un petit cagole d'avance, un peu moins, ils ont un Drake, tout va bien. Il n'y a aucun problème, il faut juste qu'ils se servent de leur domination de lane actuelle pour pas forcément, voilà, il faut pas qu'il y ait de bordel, il faut pas qu'ils se laissent remonter, et qu'ils se servent de la domination qu'ils ont pour juste continuer de faire des fights et de gérer bien leur wave,
et de sélectionner les Drakes un par un jusqu'à obtenir l'âme et ou un avantage clair sur la partie. À la place, ce qui va se passer, c'est que voilà, ok, c'est ici, c'est bien cette action-là. Donc là, on a un Z qui part du côté de Trimby pour essayer de faire pour essayer de sac son item support. Le problème, c'est qu'il a la zone de Mickey X qui part instantanément sur Hans. Derrière, du coup, on a quelques auto-attaques qui partent. Donc c'est en plus, le truc, c'est qu'il met un Q-spell de son Infernum et derrière, il passe en arme rouge. Donc là, c'est un problème parce que je suppose que pour le coup, Trimby n'avait pas forcément vu venir le changement d'arme de Aphelios. Et derrière, déjà, il obtient des chakrams, déjà parce qu'il a mis son dernier truc d'Infernum. Mais en plus, il obtient la range supplémentaire de la zone pour pouvoir mettre une auto-attaque, deux auto-attaques supplémentaires. Et derrière, il peut utiliser son Q-spell en forme rouge pour continuer de suivre Trimby. Et Trimby qui a utilisé, on le rappelle, dans l'action précédente, ses deux summoners pour essayer de tuer la botlane, là se retrouve bien dépourvu quand la bise fut venue, puisque pour le coup, même si Aphelios a utilisé son fantôme en début de la partie, lors du premier gang de Razork, bah, il l'a récupéré entre temps. Et derrière, du coup, il peut proc le fantôme plus le shield de Milio, plus sa zone, et du coup, bam 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 bam, et en plus il sidestep magnifiquement la bulle, parce que sinon il avait pas le kill. Et derrière, c'est le First Blood, ce qui est un peu chiant parce que du coup, Aphelios repasse devant dans la bot lane et bah, tout le principe de lane dominance de Fnatic allait être cassé complètement. Ensuite, on a un problème qui est un peu bizarre parce que d'habitude, c'est un truc que le Fnatic arrivait plutôt bien à faire dans la game, qui était de ne pas contester quand il fallait pas contester. Donc, avant, le problème de Fnatic, c'est qu'ils avaient tendance à tout vouloir contester, les Azirah, les Krayt, tout ça, machin, même quand ils n'étaient pas forcément obligés ou quand ça leur servait pas particulièrement. Dans les précédentes games, notamment dans les games contre Excel et Astralis, des fois, bah quand tu sécurises un Drake, tu fais un bon play en bot, mais du coup tu perds un peu la tempo, et que les adversaires ils commencent à start un Herald, et ben qu'est-ce qu'ils faisaient? Bah ils laissaient l'équipe adverse faire le Herald, parce qu'ils s'en foutent. Ils sont déjà en avance, ils n'ont pas forcément besoin de cet Herald, en même temps, ils savent que l'avantage que pourrait prendre l'équipe grâce à Herald ne serait pas suffisant pour retourner la game. Là, on va avoir le truc inverse, parce que du coup, on va avoir une tentative de contestation de l'objectif en 3 contre 3 pur. Ce qui est un peu dommage parce que ça arrive beaucoup trop tard déjà, parce que on voit que le Herald est déjà bien endamé. Et on voit que la priorité a dû être récupérée sur Kessanté vachement plus tôt par rapport à Oscarine. Et du coup, on a un gros problème. C'est surtout qu'il a, d'ailleurs, maintenant que je vois, c'est surtout que je pense qu'il a sacrifié une wave d'ailleurs carrément pour pouvoir faire l'Herald plus tôt, vu l'écart de gold qu'il y a entre les deux top laners. Et par contre, on voit que les deux top laners ont utilisé leur ulti. Donc, je sais pas ce qui s'est passé dans la phase de lane, mais il s'est passé un truc. Et du coup, on a Malphite sans ulti contre Xanté sans ulti. Mais Xanté sans ulti vaut 50 fois Malphite sans ulti. Donc, c'est ça qui est un peu problématique. Mais là, tu vois, l'Herald est quasiment terminé au moment où Razork essaie d'arriver. Il se prend un Pikmin, c'est chiant, c'est dégueulasse, il se fait slow, bah machin. Il prend un ulti, et là, aïe. Bon là, par exemple, vous voyez, c'est un peu le problème que j'ai avec Razork. C'est vraiment que ses hauts sont très très hauts, mais ses bas sont très très bas. Et là, le fait de flash in à travers un ulti de Maokai, bah, c'est un peu nul à chier, quoi. Bon après, l'avantage qu'il a, c'est que bah, même si voilà, les joueurs de G2 auraient pu juste se barrer, ils savent normalement que Oscarine n'a plus l'ulti, mais du coup ils décident de quand même rester là, certainement parce qu'ils savent que Caps va arriver et qu'ils veulent tenter des trucs. Mais du coup derrière, on a Humanoid qui va bien flash in pour le coup, et qui va... Alors l'avantage c'est qu'il est transformé en Lucian, c'est pas forcément pour faire genre que Lucian est là, surtout parce que comme il est comme ça, et ben l'avantage qu'il y a c'est que le début de l'ulti est pas visible par Yike. Du coup il sait pas qu'il y a un ulti qui arrive. Et du coup derrière, bam, flash in, hop, derrière le route qui part avec le E, et le Z qui passe vraiment pas très loin, celui de Razork, et qui aurait potentiellement pu lui permettre d'obtenir le kill là, regardez. Hop, 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 ah non, l'hommage, là il est arrivé genre littéralement, ouais, c'est vraiment pas de chance, ouais, le Z est là, regardez, le Z c'est le petit truc ici, et bon, ça aurait touché, hein, by the way, hein. Ça devrait l'avoir touché, hein. Mais bon, et là il flash in, bon pas de chance. Peut-être que c'est un bug de spec, mais bref. Bizarrement, c'est un play qui aurait vachement plus fonctionné si Razork avait flash. Ah ! Un petit flash dead, là, ça tue. C'est bizarre parce que du coup, il l'avait perdu, je sais pas pourquoi, mais peut-être pour essayer de sauter à travers un ulti. Je sais même pas s'il a déjà fait d'ailleurs, mais bon. Bref. C'est pas le genre de spell qui me semblerait être possible de flash à travers, mais bon, je vais pas m'avancer parce que je connais pas particulièrement. Mais là, le fait est que du coup, le fait d'avoir flash avant, ça leur a empêché d'avoir le kill. Derrière, du coup, on a le fameux ulti du Somme,
Mais du coup, ça utilise juste un cooldown de manière un peu dégueulasse. Et si par exemple le Caps avait continué de go in ici, il aurait potentiellement pu aider les G2 à catch Razork pour cet excès de zèle. Mais à la place, il a préféré reprendre son avance sur le farm. Et bon, même s'il est toujours 20 sbires derrière, et que Trimby va être là pour freeze la wave comme un magnifique seigneur, voilà, le genre de truc que par exemple Advien n'aurait pas forcément fait. C'est là qu'on voit la différence potentiellement de niveau entre les supports et comment est-ce que l'amélioration de la botlane est bénéfique pour Fnatic. C'est qu'elle peut aussi leur permettre de, on va dire, compenser un peu les mauvais trades qu'ils font et les garder un peu dans la partie. Parce qu'avant, il n'y avait personne pour rattraper les mauvais plays. Là maintenant, enfin à part Razork potentiellement. Mais là, c'est un peu plus compliqué. Aussi, l'avantage qu'on a avec cette nouvelle version de Fnatic, qu'on va pas forcément voir dans cette game-là, c'est surtout que, apparemment, c'est Trimby qui fait maintenant les calls. Alors là, on a pour l'instant qu'on a un super catch parce que Oscarine a récupéré son ulti. D'ailleurs, Razor qui était resté du coup sur sa lane, si je ne me trompe pas, il n'avait pas back. Il est juste parti faire ses camps. Et d'ailleurs, il a repas stop du coup. Et il a pu repartir sur Xanté et le tuer, c'est parfait, très bien. Mais du coup, comme c'est apparemment Trimby qui fait vachement plus le boulot de shot call, alors qu'avant c'était Razork parce que personne parlait dans l'équipe, parce que forcément bah, ça n'allait pas être Advien ou Reckless qui allait parler, Humanoid est certainement silencieux aussi, et Roskarin, c'était littéralement son premier split en LEC, donc il n'y avait littéralement que Razork pour faire le shot call. Là, le fait d'avoir Trimby qui a un petit peu plus de coffre maintenant, après son passage chez Rogue, ça permet potentiellement de faire les shot calls, et ça rend en fait l'équipe avec des calls un peu plus sharp, on va dire, qu'avant, même si là pour le coup, c'est plus des calls qui fonctionnent mal. Déjà, un, parce qu'ils sont obligés de le faire et que du coup ça les rend plus prévisibles, mais en plus, parce que en termes de mécanique, ils se font juste outplay dans la game pour l'instant. Ok. Donc, et aussi parce que ce qu'ils tentent est très difficile en général, hein, parce que ça demande d'être mécaniquement supérieur par rapport à leurs adversaires, donc c'est toujours un truc qui est un peu trop risqué et que selon moi, Fnatic ne devrait pas forcément privilégier, on va dire. Donc voilà, après, il se passe pas grand chose dans les games, et là, on a le play fatidique. Donc là, on est clairement sur le tout pour le tout. Là, je sais pas trop d'ailleurs pourquoi est-ce que les Fnatic tentent un play à ce moment-là. Parce que là, en fait, si Fnatic se barre, il y a potentiellement un mythique du côté de Noah qui peut arriver. Ou en tout cas, un semblant de mythique qui peut arriver d'ici le Drake. Derrière, on a potentiellement Humanoid qui est à deux doigts d'avoir son mythique à lui, d'ailleurs, également. Parce qu'on va voir qui back pour l'avoir à la fin du fight. On a pas mal d'items qui peuvent arriver. On a le mythique qui est récupéré du côté de Skarinin, qui peut potentiellement être là pour la TP. Voilà, il y a des trucs en fait qui font les affaires de Fnatic dans l'état actuel de la game. Surtout qu'en plus, vu que Mikix est parti sur des bots de lucidité et sur des pink wards, ça fait qu'il doit normalement, même s'il a 200 gold d'avance, avoir un peu de retard dans l'avancement du mythique, vu que Trimby a préféré partir sur un codex. Donc il y a certainement moyen d'avoir une meilleure puissance en général du côté du support et une capacité potentielle de all-in qui est supérieure du côté de la botlane. Donc le fight de Drake qui va arriver dans 1 minute 20, il serait très favorable pour Fnatic. Et c'est un peu bizarre qu'ils se sentent obligés de tenter un play à ce moment-là de la partie parce que en vrai, c'est même pas tellement une occasion en or, quoi. À la limite, c'était une opportunité de fou d'obtenir un kill, pourquoi pas. Mais là, on voit que c'est un freeze de lane. Littéralement, du côté de G2, ils sont à 2 mètres de leur tour. Il y a vraiment rien qui puisse se passer, quoi. Surtout qu'en plus, on a Yike qui passe déjà bot et qui passe même pas par la jungle, il passe directement par la lane. Donc on voit que c'était télégraphé à 20 km. Bref, on a un dashin un peu pseudo dashin de Noah pour essayer de trigger un peu le go in d'Ansama, qui va marcher d'ailleurs, du coup. Mais il flash instantanément, ce qui est plutôt bien pour se rattraper. Et pour le coup, la téléportation du humanoïde est beaucoup trop tard et je comprends pas pourquoi il TP, en fait, pour être honnête. Parce qu'il n'y a clairement pas, un monde où il arrive à temps pour faire un truc. Et en plus, il est en train de give up une wave canon pour faire ça. Et là, on voit du coup que derrière, bah, il n'y a pas de CC à part le Z de Razork, en fait, du coup, dans l'action. Donc là, il va flash, il va Z. Mais voilà, il y a une purge de l'ulti de Milio qui fait que Ansama peut quand même se barrer. La bulle du coup ne touche pas, il y a un Q-spell qui part, Humanoid ne peut pas forcément mettre des sorts, il y a qui est là de façon à la défense, donc il peut rien se passer. Résultat, on a waste une TP, on a waste le flash de Trimby, on a waste un ulti de Trimby, on a waste un ulti de Razork. Derrière, il y a Humanoid qui va devoir back, alors qu'il a du coup il a plus de TP, donc il va perdre toute la wave, il y a Caps qui va récupérer les plaques, qui va en plus proxy la game, proxy la wave supplémentaire pour pouvoir faire en sorte que les deux waves crashent. Derrière, il y a le Herald qui va être posé par Yaek en mid lane en plus. Même si ça va être défendu, ils vont quand même récupérer pas mal de plaques. Et là, on voit que ben, il y a plus que 300 gold d'écart, quoi. Et c'est ça qui va être très problématique parce que l'avantage qu'avait obtenu Fnatic sur la mid lane, eh ben, il est quasi nul maintenant parce que ben, toute cette action,
qui n'aurait pas forcément dû arriver pour le coup. Je pense que c'est pour le coup un des rares plays qui a peut-être été shot call par Razork pour le coup, parce que c'est lui qui y allait. Bah c'était pas exactement, je veux pas forcément faire d'accusation comme ça, comme si c'était vraiment la faute d'un joueur en particulier, mais on verra de toute façon lorsque les voicecoms sont sortis. Je sais pas si les voicecoms sont sortis d'ailleurs, peut-être que les voicecoms sont déjà sortis, je vais juste regarder. Pas de voicecoms qui sont sortis, c'est un peu dommage d'ailleurs. Il y a juste le Legend in Action, bon. C'est un peu bizarre parce que du coup le LEC reprend demain, mais bon, ok. Il n'y a pas de highlight et il n'y a pas de voicecom. Bon, c'est dommage. Mais ouais. Du coup, je sais pas qui a exactement a fait le shot call dans ce play-là, mais le fait est que c'était un très mauvais call. Et que du coup, là où Dantic aurait pu back avec une meilleure avance par rapport à leurs adversaires, dans l'état actuel des choses pour le prochain Drake, et ben là, on se retrouve avec un écart en item qui n'est pas si impactant que ça. Et c'est ça qui est très problématique, du coup, pour le snowball d'une équipe qui, je le rappelle, se fait outscale. Et en plus, est pas thématiquement avantagée, quoi. Derrière, du coup, on va avoir la dernière plaque qui va être récupérée par Caps, pendant que du coup les Fnatic utilisent le fait que Caps soit resté pour prendre la plaque pour tenter de commencer le Drake. Le problème, c'est que Caps il peut back tranquillement et derrière il a la capacité de faire une téléportation. Voilà, il a certainement son item d'ailleurs. L'ultime de qui va arriver pour empêcher Razork de récupérer le Drake et il va réussir à récupérer le Drake du coup. Derrière, il y a le go-in qui part sur Razork, Razork qui a quasiment plus rien, et qui va en plus se faire redashin par Broken Blade. Il est littéralement mort, il peut rien faire. Derrière, il reste plus que Noah et Trimby et Skorinin. On va repasser sur Humanoid parce que du coup, Humanoid est de lol. Donc là, il y a Humanoid qui est là en flank pour aider. Le problème, c'est qu'en fait, il l'utilise très très tôt. Et résultat, il touche personne parce que c'est que Mimikix, il arrive à flash avant. Parce qu'il flash certainement préemptivement parce qu'il sait que maintenant, il faut plus regarder le. Déjà il voit qu'il y a Noah à droite, donc il sait que la transformation potentielle en Lucienne, ben il sait que c'est pas Lucienne quoi. Et que du coup si y a un Lucienne qui avance sur lui, bah c'est certainement pas un Lucienne normal quoi. Et que c'est mieux de flash in maintenant préemptivement quand tu vois un mec qui est pas qui est un double qui te fonce dessus, parce que tu sais que ça peut potentiellement être un ulti très fort. Et le problème c'est que Humanoid il décide d'engage maintenant alors qu'il récupère son flash dans on va dire 15-20 secondes. Du coup, il peut pas se positionner suffisamment bien pour pouvoir prendre également Caps dans son ulti, donc c'est pas un flank si bon que ça. Et résultat, il se fait go-in contre le compagnon. Alors que s'il avait un petit peu plus attendu pour le coup, parce que là, il a un peu le temps, il a 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 le temps. En fait, et là, Ansama, il est pas encore arrivé, Caps a pas encore go-in, Mikik, c'est pas encore là. S'il avait attendu dans le bush et que Caps avait décidé de go-in parce qu'il avait pas vu qu'il y avait Humanoid qui allait arriver, Ansama, il aurait pu arriver par derrière là, et au moment où il serait arrivé. Pour le coup, lui qui a plus de flash, eh ben, il aurait été à la merci d'Humanoid, il aurait pu se faire one shot derrière. Le problème, c'est que là, Humanoid il meurt sans avoir tué personne. Derrière, on a Razork qui meurt parce qu'il s'est pris Ultima Hawkeye full combo derrière. Yaik qui, lui, pour le coup, va se faire tuer par il est pas tué par qui d'ailleurs, du coup, parce que comment il s'est retrouvé dans la situation là. Ah oui, parce qu'il a, il a voulu bump Razork vers son équipe, mais comme il y avait déjà Xanté qui a fait le même job, il était un peu useless, et là il s'est retrouvé un peu dans la merde. D'ailleurs, on a Noé qui a récupéré le kill en arrière. Il met un ulti préventif qui permet, qui force Caps à se barrer. Mais derrière, on a Xanté Show. On a un ulti d'Oxarinin qui est très bien vu pour le coup, parce que ça lui permet de. Voilà. Il n'avait pas encore ulti. Et bon, il s'est dit, je suis en train de mourir. Voilà. Bam, il ulti. C'est très bien vu parce que ça ulti les deux mecs qui ont subi le plus d'HP, qui sont plus susceptibles de mourir. Il va en profiter pour pouvoir récupérer le kill sur Caps avant de crever derrière par Ansama. Et par contre, derrière, c'est le Xanté Show. Palapa, pala. Bam, 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 flash in, bam, bam, bam. Clean play de Broken Blade. Effectivement, je pense que là, Noah aurait techniquement plus flash au Q-spell, mais bon, il est arrivé très, très rapidement. Si je me trompe pas, je vais regarder 2 secondes pour donner le bénéfice du doute à Noah. Ok, donc de ce que je suis en train de voir dans le wiki, l'ulti de Xanté n'a pas l'air de. La forme ultime de Xanté n'a pas l'air d'augmenter le cast. La vitesse de cast de son Q-spell, donc on va juste regarder ça en vitesse normale pour voir si est-ce que tu peux flash out dans le. Ouais, techniquement tu peux flash out. Techniquement tu peux flash out. C'est le seul truc que je verrais au niveau de Noah qui a peut-être pas forcément voulu utiliser son flash à ce moment-là. Mais du coup, c'est vrai que c'est un peu dommage du coup de la part de Fnatic qui concède un petit ace et en plus perd le Drake. Là, c'est clairement la cata, la caca, c'est la catastrophe. Donc là, c'est terminé. Là, c'est terminé. En plus, le problème qu'on a, c'est que pour moi, c'est pas Trinité sur Viego sur cette game. Son but, c'est absolument pas de faire des dégâts, c'est de tuer un mec et de survivre. Donc, la tankiness de Divine lui serait clairement valuable dans une game où il doit pas mourir avant de tuer quelqu'un, surtout.
Surtout qu'en plus, les dégâts vont certainement déjà être assurés par le Lucian et la Nico. Donc là, il doit certainement juste survivre et faire éventuellement quelques procs de Shin, mais c'est pas plus. Et surtout, survivre suffisamment longtemps pour avoir un cast de kill. Et surtout qu'il aura quasiment jamais le temps d'auto-attaque en fait dans les combats. On a vu que le combo qu'il faisait, c'était clairement genre je Z, Q spell, une auto-attaque ulti et puis c'est finito quoi. Je suis pas sûr qu'il ait le temps de faire des trucs avec la Trinité et de faire des combats longs. Donc c'est clairement pour moi 100% un truc de Divine. Une soirée un truc de Divine, c'est une horreur. Donc compliqué. Voilà, après à partir de ce moment-là, à partir de ce moment-là, la game, bon, elle arrive sur des. Voilà, c'est un peu compliqué quoi, on va dire. Parce que là, du coup, c'est la merde. Là, on a des duels de mid lane, bon, ça va, y a aucun problème. Là, on a le Herald qui est difficilement contestable. Là, c'est pareil, on va arriver sur un fight et on va arriver au gros problème de la composition Fnatic. Et si vous avez vu la partie draft, vous savez de quoi on peut parler. Et coucou, qui arrive ici? Oh non, Oscarinin! Oh, il s'est pris l'ulti de Maokai. Oh, c'est dommage, putain. On n'a pas de tank et il n'a pas eu le temps d'ulti. Oh, c'est vraiment dommage. Alors, la question, c'est est-ce qu'il aurait pu ulti? Alors, on va le faire ça image par image. Donc, là, il est route pour l'instant, on est d'accord, il n'y a aucun problème. Hein. Ah, il se fait airborne là. Bon, ok, très bien. C'est normal, il s'est pris un Z de Xanté, c'est normal, ok. Attention, est-ce qu'il y a quelque chose qui va arriver? Ah, là il peut ulti. Il peut ulti, il peut ulti, il peut ulti. Il peut ulti combien de frames d'ailleurs du coup? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28... Ok, 28 frames, quasiment une demi-seconde. Ah, quand même, monsieur, hein, monsieur Oscarine, il faut décider. Surtout que là on a un... c'est littéralement la chose que vous allez faire avant de crever. C'est-à-dire que là, à partir de ce moment-là, vous pouvez pas ulti. Donc soit vous faites un ulti out, soit vous faites un ulti in, mais il faut choisir. Et là, on a une botlane en face qui a pas de flash. Je suis désolé, là, c'est un peu le moment, quoi. C'est un peu le moment. Et en plus, tu peux forcer un flash sur Ahri qui récupère pas encore son ultime. Là, il se fait charme, il se fait airborne, c'est finito pipox. Le perso... Ah non, il peut toujours ulti, là. Là, il peut toujours ulti. Ok, donc on va recalculer, hein, du coup, puisque voilà, on est là pour ça, hein, du coup. Ok, là il est stun. Allez, 1, non, il est route là, il est route. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ah, il est encore en ligne. Ok, donc là c'est un tiers d'une seconde pour le coup. Ok, et là il se fait repousser, bon là c'est fini Tobibo. Et derrière, on a Humanoid Show. Bam! Flash in, ulti sur 5 personnes. Qu'est-ce qui va se passer? Absolument rien. Il va se faire one shot derrière, les gens ont flash out. Il y a qui est pas mort. Trimmy va se faire ramasser par Caps. Razor qui aurait pu flash out pour se barrer a décidé de se refoutre sur Yike. Il récupère la possession. Mais derrière il est un peu perdu sur la map. Parce que j'avoue que du coup il met un peu de temps. Là on se voit pas parce que c'est pas en vitesse réelle. Mais il met un peu de temps à rien foutre avant de faire un sort. Et du coup il peut pas forcément faire grand chose et utiliser sa possession. Et derrière on a Noah qui remet un petit peu Caps à sa place quand même. Il est en mode wow, il faut se calmer un peu. Et derrière, bon, c'est fini au pipo. Et du coup, on est sur du 4 pour 1. Voilà. Avec le RL qui récupérait. À partir de ce moment-là, c'est un peu fini dans le teamfight. Parce que là, vous voyez que c'est surtout que Fnatic a. C'est trop compliqué pour Fnatic de jouer en teamfight. Là, ça se voit parce qu'ils essayent de jouer la teamfight pour l'instant d'une manière qui est peut-être un peu trop académique. Peut-être qu'il faudrait trouver plus de manière de flank. Notamment du côté d'Oscarinin. Le truc, c'est qu'en fait, vu la capacité de Maokai de mettre ce genre d'ulti. Ben, c'est un peu compliqué pour la botlane et la jungle de potentiellement follow-up ce genre de go-in. Mais là, le fait est que Oscani ne peut pas forcément faire grand-chose. Derrière, Humanoid est un peu tout seul pour faire ses dégâts. Et derrière, bon, l'ulti de Nico, c'est plus ce qu'il était. Hein. C'est plus tu mets un ulti, tu one-shot les gens maintenant. Certainement pas avec le problème qu'on avait eu, comme on avait vu, de perte d'argent et du fait que Cap se soit revenu dans la game. Et derrière, bah, on a le problème de Lucian Nami, hein, c'est que là, tu mets un énorme multi, bon, tu touches pas grand monde, et là, tu peux pas forcément trop go-in sur les gens, parce que t'as pas les resets qui font que tu peux être intéressant et impactant, même si tu fais un truc. Peut-être que Samira, par exemple, à la place de Lucian, aurait peut-être été plus intéressant, parce que tu peux décider, bon, voilà, à la limite, je peux essayer de dash in en disant, au moins, je tue un mec, et si je tue un mec, tout est possible, tu vois, alors peut-être. Genre, je flash in sur Yek, et puis je tue le gars, et puis derrière, je peux essayer de foncer sur Ansama, puis j'ai des resets, des trucs comme ça. Et derrière, on a un truc qui synergise un peu plus avec Viggo, par exemple. Mais là, dans l'état actuel, c'est voilà, c'est un peu compliqué. Parce que du coup, là, on arrive sur un point où, bon, Lucian Nami va t'aider à tuer un mec, mais pas, il va pas t'aider à tuer tout le monde, quoi. Et à partir du moment où Viggo est mort, on peut pas forcément faire grand-chose, bah c'est compliqué. Donc voilà, et là, on arrive dans un point où on arrive clairement dans un ventre mou en termes des deux équipes, parce que, par exemple, on a Trimby qui a sacrifié ses bots pour pouvoir avoir son mythique plus tôt, qui a de toute façon son mythique en même moment que Mythix qui a pu prendre des bots derrière. On a Aphelios qui a deux items contre un ennemi. On a
On a Harry qui a un item et demi de plus, enfin un demi-item de plus que Humanoïde, en plus du fait que Everfrost coûte moins cher que Protobelt, donc elle va avoir son deuxième item plus tôt. On a Razor qui, en plus d'être parti sur Trinité, qui va le rendre trop squishy dans la game, se prend encore un peu quelques golds, ce qui fait que là on voit que l'égide de la Légion, elle fait un peu plus de dégâts que la petite épée longue de merde. Et derrière, Oscarinine, bon bah, c'est, il était pas censé être en avance, mais là, il y a pas. Voilà, sa vie, elle est un peu dégueulasse, puisque du coup, il y a littéralement un mythique de plus, quoi, quasiment. Un demi-mythique de plus, quoi. Donc, ça fait mal. Ça fait mal, et on va pas se cacher, la game va pas forcément permettre à Fnatic de faire des trucs de fou. Là, on a Humanoïde qui se fait un peu catch de manière un peu bête. Derrière, ça récupère la T2, et bon, voilà. Il y a 7k gold d'avance, bon. C'est rigolo quoi, mais cette cagole d'avance à 20 minutes c'est clairement pas possible. Tu récupères le premier Drake, tu vas juste enchaîner les Drake. Et teamfight, bon bah ils vont être un peu comme ça. L'avantage qu'il y a c'est qu'on a un teamfight où Brokenblade décide qu'il a oublié de où était son personnage. Du coup on a Humanoïde qui va pouvoir empêcher la TP. On a derrière la TP qui arrive de Skynin pour pouvoir essayer d'utiliser ça. Le problème c'est que c'est qu'il est beaucoup trop tanky parce que LOL il a 45 milliards de trucs. Que c'est le fameux mage tank, DPS, healer, assassin, tireur, artilleur, prêtre, nécromancien de la top lane quoi. Donc c'est un peu compliqué. Derrière l'équipe elle est split en deux à cause de l'ulti de Maokai plus des going de caps. Donc c'est difficile pour la bot lane de peser ses dégâts. On a plus de Razor qui est de flash out. Derrière on pourrait potentiellement se voir un petit collapse mais c'est un peu compliqué. Parce que Brokenman il a encore trop d'argent, enfin trop de vie. Ils essaient de faire des petits combos mais pff, c'est LOL MDR quoi du coup. C'est le mec perd pas d'HP, c'est compliqué. Là il retente un stun, mais c'est encore une fois, voilà, il y a encore trop de shield, trop de trucs. C'est un peu trop compliqué. Et derrière on a Oscarini qui essaie de foncer, mais il y a les Pikmin derrière qui empêchent les gens de taper, enfin c'est impossible. Au moins ils arrivent à prendre la tour, c'est cool. Et là on a une tentative bizarre de Yai qui essaie de flash in sur Razor qui a le temps d'ulti out. Du coup bah ça fait un ulti pour un flash, c'est plutôt cool. Mais clairement que ça va pas sauver l'équipe parce que là on est toujours à, ouais, on est toujours à 7 gold d'avance quoi. Et derrière on a Oscarini qui se fait un peu catch tout seul mais il peut flash out, là c'est compliqué. Et derrière on a Ant, on a le Ant moment qui est, c'est le Icarus syndrome des ADC hein, vous le savez, il est là genre je vais le tuer, oh la Gale Force qui est react. Alors j'aimerais bien savoir en combien de temps il a react, en combien de frames il a react Oscarinin à la Gale Force. Est-ce que il est en mode ok, Ansama qui click back mais qui fait en fait finalement je le tue. Ouais d'ailleurs par exemple il aurait pas eu besoin de click back, enfin il aurait pas besoin de Gale Force s'il avait pas click back d'ailleurs. Là, il Gale Force, ok, donc là c'est la Gale Force. On peut dire qu'il Gale Force à ce moment-là, donc une frame. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Là, techniquement, voilà, là il se retourne, ok, là il se retourne. Il a react plus rapidement à la Gale Force qu'il a react au moment où il pouvait ulti dans le teamfight d'avant, voilà, bref. Après, bon, le Icarus Moments de Hans fait qu'il se fait punir, parce que là, littéralement, tout, on met tout sur lui. Alors, ce qui est un peu dommage, du coup, parce que... Bah d'ailleurs on perd un ulti Malphite, on perd un ulti Lucian et un ulti Nico pour tuer un mec qui avait 200 HP. Derrière on a Broken Blade qui arrive à tuer Oscarine qui se rebarre dans le fight, qui se fait un peu oublier et qui va pouvoir catch Humanoïde qui était un peu tout seul, pour aucune raison d'ailleurs. Et derrière bah le problème c'est qu'on est, c'est du 3 contre 3 et parce qu'ils ont réussi à tuer Mekix derrière. Mais derrière c'est un peu plus compliqué pour la botlane de faire des trucs avec Xanté qui out damage les ADC tout en étant plus tanky qu'eux et en ayant 45 dash pour arriver au corps à corps. Donc bon, et c'est un peu compliqué du coup. Alors ça c'est en plus, il faut que tu l'ajoutes ça à, au fait que les... Il faut que tu ajoutes ça également au fait que les... forcément Noah n'a pas autant de gold que de santé dans la game, mais ouais c'est compliqué. Et en plus bon bah on voit bien la superbe utilité de la Trinité du coup, parce qu'il a mis une auto-attaque max sur chaque personne et qu'il se fait one shot. Donc ouais, un peu compliqué. Derrière il y a encore un Drake avec un Ashor. Mais du coup c'est très compliqué. Voilà, pareil, il y a des tourelles d'Aphelios, il y a des Pikmin, c'est très compliqué pour les joueurs de Fnatic d'arriver dans la position. Ils essaient de tenter un truc de Nash mais ils savent qu'ils ont pas le temps, du coup ils cancel le truc de Nash et en même temps ils perdent le Drake. Enfin c'est impossible à faire. Là il y a un truc très intéressant qui va se faire là, c'est le tentative de Nashor, de Rush Nashor de G2. Parce qu'ils pensent que les mecs ont back, mais il y a toujours Razor qui est ici dans la game. Derrière, on a Oscarinin qui est là. Donc ils disent, ok, non, c'est un peu chiant, on se bat. Oscarinin, il fait, ah ouais. Bah moi, je rentre dans le pit et j'empêche le Drake de... Enfin, le Nashor de reset. Donc vous allez devoir rester. Hein. Alors je suppose que c'est peut-être un move qui est voulu par l'équipe de faire une sorte de all-in-one. On est en mode, allez, c'est bon, on all-in, on est en mode, bon, voilà. On flippe la game sur ce Nashor parce qu'ils savent que certainement la game est perdue. Je pense que c'est la bonne chose à faire en réalité, parce que s'ils arrivent à prendre un Ice plus un Nashor sur cette game-là, ils peuvent potentiellement revenir dans la game, même si ça va rester dur. Mais du coup, là, le problème, c'est qu'il est tout seul dans son pit et que les autres peuvent pas forcément faire grand-chose parce qu'il y a un Ultimokai qui peut arriver à n'importe quel moment. Il s'est un peu bassonné la gueule. Voilà, là, l'Ultimokai arrive.
On a Oskanin qui ulti out, mais il ulti out avant de se prendre l'ulti de Maokai, du coup il se le reprend quand même. Ensuite c'est Razor qui se prend l'ulti, mais il est suffisamment loin. Et là, vous vous rappelez quand je vous ai dit qu'à Razor, quand il était bon, il était très bon, et quand il était mauvais, il était très mauvais. Et ben là, c'est le moment où il est très bon. Bam! Et le Si du Nashor. Parfait. C'est incroyable. C'est exactement ce dont ils avaient besoin. Bon, c'est clairement pas suffisant pour gagner la game. Sauf que derrière, il se suicide, enfin il meurt du coup. Humanoid qui était un peu perdu sur la map, qui se fait tuer derrière. C'est un peu d'ailleurs le problème qu'a eu Humanoid, il a vraiment pas fait une bonne game avec Saniko malheureusement. Oskanin ça va, il s'en sort. C'est juste que bon, forcément son ulti out était un peu bizarre parce qu'il aurait pu ulti et donner une opportunité aux gens, mais bon, ok. Et derrière, bon bah il y a un Nashor de Fnatic, voilà. Bon le problème c'est que derrière tu tentes un Nashor, tu fais ouais ok, je push le terrain, ok ouais, je rentre sur la T2, ok. On essaie de faire un truc les gars, pour l'instant il y a le Mafit qui descend, qui défend pour la Harry, ok. Derrière tu te prends un Q-spell, aïe, ulti Aphelios, aïe, et derrière c'est Finito Pupox. Bon derrière il y a Broken Blade qui a aussi son Icarus Syndrome du coup, merci à lui. Et derrière, bon, voilà, on voit que ça reste quand même vachement compliqué pour Fnatic de réussir à faire des trucs dans la game. Et ils perdent derrière deux Nashor, si je me trompe pas. Un Nashor. Bon, ils perdent un Nashor. Non, deux Nashor, attends, quoi? Attends. Oui, ils perdent. Attends, ils perdent Humanoid. Ah, et Trimby, c'est ça. C'est Trimby qui est mort, c'est ça. Humanoid et Trimby, ok. Ils perdent deux Nashor en même temps. C'est difficile pour eux de faire un truc. Ils ont un Nashor. Il est pas négatif, je crois, le Nashor, mais. Oh, c'est 1000 gold, quoi. Ça va pas. Voilà, il y a quand même 5 à gold, quoi. Il y a quand même 5 à gold d'écart. Et c'est un peu compliqué du coup pour eux de faire des trucs. Là il y a l'âme, mais tu sens très bien que c'est difficile de catch. Là on a une tentative de flank du Humanoid, bon il regarde pas sa map, malheureusement. C'était vraiment une mauvaise game pour Humanoid. Derrière ils se prennent. Enfin, regardez les dégâts que ça prend. Regardez les dégâts du Pikmin. Regardez les dégâts du Pikmin qui va arriver là, un moment. Là, regardez-le, c'est lui. Bam. Il explose, il y a les dégâts sur Humanoid, sur Nova, sur Razor. Derrière il y a le dash de. Bon, le dash de caps, pareil, Icarus Syndrome. Tous les mecs c'est G2 en Icarus Syndrome, c'est trop drôle. Mais ouais. D'ailleurs, l'avantage, c'est que, bon, bah, Oskanin, il est là pour se prendre l'ulti, mais du coup, encore un teamfight où il ulti pas, donc la value du Malphite est incroyable, du coup. Et derrière, ils peuvent récupérer l'âme, il n'y a aucun problème. Razor qui est obligé de se barrer, bon, voilà, c'est compliqué. Tu peux pas forcément jouer. Et derrière, en plus, ils réussissent à flank, voilà, Humanoid qui se fait Gale Force In. Derrière, l'ulti de Ansama, voilà. On ne sait pas si, pourquoi est-ce que Trimby flash pas. Est-ce qu'il considère qu'il n'a pas besoin de flash, mais bon. Là, la lame, elle est perdue, autant flash out, quoi. C'est pas le flash in qui va faire un truc, de toute façon. Pas le flash in d'une amie qui va faire un truc. Mais de toute façon, là, c'est la fin de la game, de toute façon. Ils peuvent pas défendre. Ils peuvent pas défendre à 2, ni à 3. Surtout si c'est pour ulti maintenant, alors que t'as pas utilisé ton flash. T'aurais pu flash ulti pour réduire le temps que va de travel de ton personnage. Et donc, donner moins de temps à Hans pour react. Parce que là, bon, quand même, il a un peu le temps, quoi. C'est-à-dire que... Là, à la limite, tu peux flash in ulti. Hein. Si ton but, c'est juste de flash in et d'ulti Ansama pour donner un potentiel de go in sur Ansama, pourquoi pas. Mais flash in, quoi, mon ref. Parce que là, l'ulti, il a le temps de le flasher 8 fois, quoi. De la portée où t'es. Et du coup, derrière, bon, bah, c'est finito, quoi. Quoique. Ah non, c'est vrai qu'il se barre, du coup. Ah oui, mais du coup, ouais, mais. Ah ouais. Et du coup, il y a le moment. Regardez sur votre écran. Regardez, il y a Humanoid. Regardez, il y a deux tourelles d'Aphelios et il y a un petit Pikmin. Voilà. Et là, il n'y a plus d'Humanoid, là. Attention. Hop là, il est mort. Et derrière, ils essaient de contester un red buff qui n'a absolument aucun intérêt. Je pense qu'ils veulent juste sortir de la game, là, pour le coup. Et derrière, du coup, G2 qui allait back se décide qu'en fait, finalement, ils allaient plutôt gagner la game. Et je les comprends, effectivement. Et c'est la fin de ce classico, victoire de G2. Donc, Fnatic qui, malgré les gros progrès qu'ils ont fait depuis les derniers splits, ne sont pas encore au niveau de G2, même si ça va certainement, ça a certainement des chances de progresser, parce que vu les performances des autres équipes dans cette semaine de LEC, cette première semaine de LEC, ils étaient clairement pas, y avait clairement pas énormément de compétition, parce que BDS a pas l'air d'être bien réveillé dans ce début de Summer Split. On a Koi qui a toujours quelques problèmes et on se rend de plus en plus compte que Adia n'était pas forcément un upgrade par rapport à Trimby et que ça a pas réglé les autres problèmes de Koi. Problèmes qui sont très certainement inhérents à leurs autres joueurs, notamment Malrang et Larsen certainement, et aussi Comp qui a des performances un peu en dessous depuis qu'il n'y a plus la synergie avec Trimby. On a aussi SK qui n'est clairement plus l'équipe qui pouvait créer la surprise qu'on avait vu dans le Winter Split, et même leurs meilleurs éléments comme Exactic commencent à avoir des mauvaises games, ce qui est un peu dommage. Et un peu qui n'annonce pas forcément grand chose de bon pour la structure. Astralis qui avait l'air d'être une équipe très très spicy, on va dire très intéressante dans leur style de jeu, avait l'air très très faible contre Fnatic, même si je crois qu'ils avaient eu une game qui était vachement intéressante très récemment, si je me trompe pas. Alors il va falloir que je retourne sur le e-sport du coup. Tac. Mais c'était contre BDS justement où ils avaient réussi à gagner avec.
avec un style de jeu plutôt intéressant en base de Yasuo, de Blitzcrank, de Rumbletop. C'était très très intéressant pour le coup, même si malheureusement du coup leurs deux premières games étaient vraiment pas convaincantes. Vitality qui est vraiment dans le mal pour le coup, ça fait vraiment peur parce que les imports qu'ils ont, notamment en top lane et en jungle, Bo et Photon commencent à se baisser de niveau, ce qui est extrêmement flippant pour leur perspective de playoff qui n'est pas encore lock, hein. ils sont pas encore sûrs d'aller dans les finales et d'arriver aux Worlds. Donc ça fait un peu peur leur baisse de niveau, sachant que l'équipe a jamais vraiment réussi à décoller. Excel, bon bah Excel qui est dans le bourbier Excel, hein. S'ils gagnent une game c'est un miracle, hein, clairement dans l'état actuel. SK Gaming qui on en avait parlé, pareil, Badest, tout ça, on en parlait. Donc qu'est-ce qui reste comme équipe qui convainc? Bah, c'est le top 4 pour l'instant. C'est-à-dire qu'on a G2 qui, même s'ils ont fait une game un peu trop litho contre Mad Lions, arrive à bien se rattraper contre Fnatic. Et on connaît un peu le potentiel de skate de G2, même si Caps fait vraiment très peur, hein, dans ces games. Et même dans cette game-là, on a vu qu'il y a pas mal de play, notamment son dernier play là, dans le fight dans l'âme où il se fait one shot. C'est vraiment très très bizarre. Et j'ai un peu peur de sa capacité parce que on n'a pas vu un bon Caps depuis le début de l'année, basiquement. Donc ça va faire ça va commencer à vraiment être inquiétant. Même ça fait plusieurs années qu'on n'a pas eu un bon Caps d'ailleurs, hein, je dis ça, mais c'est clairement une des grosses interrogations de G2 pour l'instant. On a Bad Lions qui est toujours à leur niveau du MSI, donc voilà, c'est ok tiers sans plus. Ça reste plutôt, c'est plutôt bien. On a aussi Shazy qui fait des performances de fou, donc c'est plutôt intéressant comme de voir un peu comment est-ce que l'équipe va réussir à progresser, surtout dans ce genre de méta. Et surtout que d'ailleurs la game qu'ils ont fait avec Vitality montrait des améliorations en draft par rapport à leur style de jeu habituel. Et surtout on a Team Heretics qui est une équipe qui est très intéressante à regarder, avec notamment du coup l'arrivée de VTO à la place de Ruby qui attendant, et surtout l'arrivée de, enfin pas surtout, non surtout l'arrivée de VTO, mais il y a aussi l'arrivée de Flaked à la place de Jack Spectra, qui même si selon moi elle n'était pas particulièrement nécessaire, a quand même vachement bien redynamisé l'équipe, et ils sont pour l'instant en 3-0. Ce qui augure pas mal de choses de bon pour la structure. Maintenant, du coup, on va parler viteuf du coup du planning. Parce que, bon, en réalité, j'ai déjà parlé un peu des problèmes. G2 ont eu une très bonne draft et des bonnes individualités. Il faut juste qu'ils réussissent à rester consistants. Pour ce qui est de Fnatic, bah pour l'instant on a un potentiel mécanique qui est très intéressant d'après les games qu'on a vu, mais il faut qu'en termes de draft ils arrivent à trouver la flexibilité qui va leur permettre de trouver des autres drafts et de gagner leur game, on va dire, et de se mettre dans des bonnes positions pour permettre aux mécaniques d'être juste un déroulement, on va, de leur game, plus que vraiment devoir porter entièrement la game à bout de bras, on va dire. Et du coup qu'est-ce qui se passe? Donc dans la semaine qui va arriver, du coup on a G2 qui va affronter Vitality. Bon voilà, G2 Vitality, ça va être un peu intéressant à voir et à suivre pour G2, et pour voir si Vitality peut essayer de se réveiller, même si j'y crois pas particulièrement. Fnatic qui va affronter du coup Koi, Mad Lions et Vitality. Bon bah justement voilà, Vitality, bon ça va être compliqué aussi, on va voir, hein, c'est le moment ou jamais. C'est vraiment la semaine qui va être très compliquée pour Vitality parce qu'ils vont se taper des gens qui sont très très forts à l'heure actuelle, et Astralis. Et pour Fnatic du coup c'est les premiers vrais tests en plus de G2. Il va falloir montrer un peu la différence qu'il y a entre eux et potentiellement Mad Lions. Ça va être le gros match de la semaine, je pense, parce que je vois pas forcément d'autres trucs de fou qui va arriver pendant ce temps. Pour l'instant ouais c'est ça, y a les autres affrontements, peut-être BDS Heretics à la limite ont l'air d'être intéressants, mais le reste est pas incroyable. Et il va bientôt falloir attendre un peu plus longtemps pour avoir un potentiellement Heretics Fnatic qui va être intéressant, mais là voilà. Je pense que Fnatic est très très bien emballé, engagé, et que pour le coup c'est plus facile d'apprendre à jouer des personnages qui vont leur donner plus de flexibilité en draft plutôt que de résoudre des problèmes mécaniques, on va dire, parce que pour le coup bah là on voit que le potentiel individuel de chaque joueur est là, et qu'il suffit juste d'apprendre à jouer plus de personnages et de savoir quand les sortir pour que l'équipe devienne vraiment très polyvalente et très menaçante en international. Mais il faudra qu'ils conservent leur bonne dynamique de la première semaine et ne pas se laisser un peu trop secouer et en s'enfermer dans le style qu'ils ont pris dans la game contre G2, parce que ça pourrait leur jouer des tours, notamment contre une équipe sur Koi qui a l'habitude de jouer très posé dans les games. Voilà voilà. Après pour ce qui est de Mad Lions, voilà pareil, on va voir un peu si Mad Lions va conserver leur style agressif ou s'ils vont essayer de repartir sur un truc scaling, ce qui va potentiellement poser des problèmes si Fnatic recommence à partir sur des trucs très agressifs. Et derrière Vitality, bon normalement ça devrait être une preuve de santé si Vitality n'arrive pas à se réveiller d'ici là. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir et ça aide donc le référencement. Si vous avez quelque chose à dire sur la game ou sur la vidéo en elle-même, n'hésitez pas à laisser un commentaire, j'essaie de tout lire.
Et si vous voulez ne pas louper les prochaines vidéos, notamment les prochains Draft Gap ou les vidéos sur les notes de patch et les nouveaux champions et rework, notamment la vidéo sur Naafiri que j'ai sortie littéralement, je crois, hier, si j'arrive à sortir dans cette vidéo le samedi, n'hésitez pas à du coup vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour avoir les notifications. Moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À la prochaine, tout le monde.